T'as dit qu'il était où le mode de jeu? Parce que là, je trouve pas. Normalement, c'est dans le mode jouer, enfin, genre mode coup d'envoi, et normalement à côté, t'as un autre truc. J'ai été mes teams, c'est tout. C'est bizarre. Normalement, il doit y être. Bon, bref. Alors, est-ce que le son bouge? Bonjour, salut, Madcam. Faut nous aider pour savoir si on nous entend ou pas. Je regarde Skype, c'est bizarre, il y a rien qui bouge. Vas-y, La 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 la. Ouais, le micro il fonctionne, mais le haut-parleur normalement ça je devrait être demande bon. si on nous entend ou pas. Ah, je sais pas là, attends, c'est bizarre. On entend déjà. Ouais, mais vous, on vous entend ou pas? Non, sinon pas d'entendre. Attendez, ra rappelez-moi au cas où. Okay. Bon. Alors, faut nous dire si là on vous entend. Je m'entends là, je me suis entendu. T'es sûr? Ouais, mais vraiment pas. Allô? Ouais. Alors. Bon, on va le lancer, vous me dites si vous entendez ou pas. Donc, salut et bonsoir tout le monde, on se retrouve pour le live du Vendredi Talent. Alors, la suite du mode carrière est une surprise ce soir, hein, la partie mode carrière va durer 1 heure et quart, vous allez avoir une petite surprise après, vous verrez. Donc, bah, est-ce que... Apparemment, on dit on entend, mais est-ce que vous entendez mes compagnons du soir qui sont Vico? Il est Vico pas là. blanc. Jean-Sylouane! Oui, salut. Donc voilà, vous me dites si vous les entendez ou pas. Moi, quant à moi, je vais m'installer. Alors, donc, 1 heure et quart, donc ça fait genre 21h15, 20. Ah, Vico est là, dis bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et tu peux commencer par me tuer, parce qu'en fait, j'avais pas mis le son sur Twitch. Ah, d'accord. Et là, je comprends, mais je fais. Attends, qu'est-ce qu'il a, le petit haut-parleur? Il était en unmute, et puis là, je fais. Ok, d'accord. C'est C'est pas pas grave. mal. Alors regardez un peu le calendrier, ce qu'ils viennent nous faire là, eSport là. Merci, merci EA, hein, le calendrier est vachement réaliste là. C'est vraiment très réaliste là. Hein. C'est Attends. génial, c'est excellent. Regardez combien de jours on a de repos après notre deuxième match de l'épisode. Oh, mais fantastique, ils sont intelligents chez eux. On se repose où là, FIFA Changer là? de patch MDR. Oh. Attends, attends, non, ils ont 3 jours avant un match, une journée et ensuite. Ouais, putain, tu vas devoir faire tourner. Jamais tu verras ça dans la vraie vie, hein. Tu vas Je devoir faire tourner. Oh là là. Ouais, ça va Je être. crois que tu. Ça va être Bah, difficile, hein. ouais, bah là c'est le match de coupe. Donc là, bah le pire c'est qu'en plus dans le match de coupe, je dois faire tourner certains joueurs qui sont fatigués. Ok. Ça va être dur, très, très dur. Vilena, on va faire rentrer certains joueurs. Hein. De base, Canales ici. Bon, les trois devant, on touche pas. C'est nos trois plus forts. Sur le banco, j'ai récupéré personne. Donc, on va mettre les gens d'habitude. Ok, tout est bon. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, commentaires. Retweetez le live. Faites partager. Il faut qu'on soit nombreux ce soir. Parce qu'en plus, vous allez voir une petite surprise à 21h15. Donc. Qui va durer pas mal de temps, donc no soucis avec ça. Allez-y, faites tourner, tourner, tourner. Ouh. Oh putain, Vico. Putain, j'ai mes câbles de d'iPhone, ils sont niqués. Et Emmanuel, ton câble, il marche ou pas? Bah, d'iPhone et tout le bordel. Ouais, il va falloir que ce match de coupe, on fasse pas trop de bêtises. Ah, Hop. bah, petite surprise.
Tu vas tester FUT World Cup et tu ne réponds pas à cette question. Non, je ne répondrai pas à cette question, monsieur. Surprise, surprise, tu Ah, verras. voilà, c'est tout. Bon, je reviens 2 secondes. Allez, vas-y, Pablo. Allez, allez, arrache le pavé. Vas-y, Pablo. Ah, putain, fais caguer celui-là, alors. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, Celta-Vigo en coupe. Normalement, ça devrait aller, mais bon, hein. Il faut toujours tout prévoir. Bon, c'est des matchs aller-retour. Vous avez vu il y a quelques minutes le super calendrier qu'on a, donc ça va être dur. Ah, apparemment, il y a un coup franc, d'accord. J'aurais touché le ballon de la main, je ne m'en suis même pas aperçu. C'est très bien, ça commence bien. Attention, allez. Ah, chiotsk. Zik. Ah, papapidoubdoubdou. Au black? Oui. Allez, bon, défend. Putain, non. Les contrôles, sérieux, c'est super chiant. Il faut faire gaffe. Leur petit corner là. Attention. Ça va. Allez, on repart avec Griezmann. Ah, chiotte. J'ai pas eu le temps de faire ma passe. Donc, faut me lire les Note, commentaires. je suis voyant, le commentaire. Je suis voyant. Si tu le dis, si tu le dis. Oh là. Vas-y. Mais oh, c'est pas vrai, j'arrive pas à passer leur petit rideau là. Va falloir que je trouve un autre moyen de passer. Hop, hein. Allez, vas-y. Vas-y, Griezmann. Allez. Le beau gros centre là. Oh, dommage. Ça sera un corner normalement, je pense. Non, même pas. Ok, bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode de ce matin, il y a des petits nouveaux au milieu de terrain. Donc j'ai terminé le recrutement des milieux de terrain, enfin quasiment parce que l'autre il arrivera après les matchs. Donc si je vends un joueur, enfin si j'arrive à en vendre un, on pourra commencer, enfin terminer le travail, c'est-à-dire la défense, enfin rajouter un petit peu de défense, mais pour l'instant on ne peut pas faire grand-chose, donc on verra ça plus tard. Hop, vas-y. Hop là. Vela. Oh. Pff, merde. Ça va. Vilena, qui fait partie des petits nouveaux. Hop. Bien. Allez, Carlos Martinez, pour le centre, la teuté. Dommage, faut revenir en arrière, les gars. Allez, allez, allez. Faut lire tous les commentaires, hein, n'hésite pas. N'hésite pas, Jean-Siloane. Attention. Griezmann! Oh, mes misérables prout, prout. Prout, prout. Pas vrai ça. Bloc. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Zut alors. Ah, reviens ici. Allez, allez. Non. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ouf, ça va, ça va. Ça va. Allez. Allez. Hop. Ah, il était hors jeu. Bon. Bravo Moussa, merci. Hop là. Allez, Pablo. Pablo.
Oh, je les ai vus. Est-ce qu'il était hors jeu? Moussa, le lob. Putain de merde. J'arrive pas à cadrer. Ça sent pas bon. Allez. Allez, 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 allez! Dommage. Mais non! C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. C'est pas ce que je voulais faire avec Vilena, mais c'est pas grave. Le pire, c'est qu'il a failli faire un but, mais bon. C'était un peu à côté, c'est pas grave. Allez, hop. Je t'ai vu, toi là-haut. Non, c'est parti en bas, c'est pas grave. Granero. Allez, Granero. Dommage. Personne derrière, allez, les gars. Faut se bouger un peu les fesses. Faut se bouger le troufignon. Allez, Nigo. Allez, allez. Bah, oui. C'est pas simple, ça. Alors, je suis de retour. On te dit, j'ai eu un Royce dans le pack de Fut World Cup. Ah. Y a une phrase que j'aurais bien voulu dire, mais je la dirai plus tard. Exactement. Mais t'inquiète pas, je t'inquiète pas, jeune ami, c'est une phrase amicale, hein. Tu verras. Aucun lapsus, pas Ah de. non. Tu C'est. verras peut-être la Voilà. surprise, allez. Voilà, c'est ça. Bon, 0-0 à la mi-temps. N'ont pas eu trop de bol jusqu'à maintenant. Ça sent pas très bon. Comme dirait Newman, la sentue, la quenelle qui arrive tout doucement. Ouais, là, elle est en train d'arriver. Bah bon, allez, il reste 45 minutes plus le match retour, donc bon, allez, on va pas non plus être pessimiste. Attends, 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 attends. J'ouvre un pack de démarrage là, j'ai créé un compte secondaire. Attends. Non, non. Ah, ouf, ça va, j'ai eu de la chance, le but, enfin, il a pas buté, donc je vais pouvoir. Bon, ça a l'air un peu ricrac à droite, à Putain, gauche. mais j'ai personne! À gauche, ça sent pas bon, donc on va dégager tout droit. Boum. Attention. Ouh, d'accord. Oh, ah si, ouais, t'es mal, j'ai eu personne! Ah si, ouais. Ah! J'ai Götze! Non mais. Götze, Dani, Oui Essien. mais par rapport à la surprise. Non mais c'est un pack. J'ai ouvert un pack de démarrage sur un compte secondaire. Hein. J'ai recréé un compte fut. Hein. Et PSN même. T'inquiète. Attends, je vais pas tout spoiler. Ouais mais Godse dans le pack de démarrage. Ah, c'est vrai, je recommence un compte. Je recommence un compte fut. J'en ai une saoule. Bah, je crois que j'ai jamais eu autant de chat dans un pack de démarrage. Ouais. Bon, dommage qu'on peut pas les revendre, mais bon, c'est pas grave. T'inquiète, je rigole, Vico. Oh, je sais. Attends, je vais pas spoiler. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas comme une certaine personne qu'on a dû briefer pour pas qu'il spoil. Ah, non. Ouais. Bah, je pense qu'ils doivent bien se douter, mais Ah bah il faut laisser mijoter, faut laisser mijoter. Putain, allez, non, on va pas se la prendre par Celta Vigo, s'il vous plaît, pitié quand même, un peu d'honneur, les gars. Oh non, putain, et voilà. Bon, bah, on se les prise. Pas, ils ont pas d'honneur. Bon, allez, on va la jouer à la One Again Beast of Fly. Putain, c'est pas vrai ça? Commence à me l'énerver. Allez. Mais ils me la mettent profonde là, c'est quoi ce bordel? Allez, bougez-vous les gars. Allez, 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 faut passer, faut passer. Putain de merde, hein, ça sent pas bon cette histoire. Allez. Ça. Eh non, elle rentre pas la salope, hein. Ça va pas recommencer quand même. Allez.
Non, 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 les gars, non. On va être obligé de faire le changement, alors. Je vais attendre un petit peu peut-être pour l'autre changement, allez. Non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Mais non, putain, ça va! Faut arrêter, quoi, l'arbitre. Allez, cours, putain, donne tout ce que t'as. C'est pas vrai, ça. Elle sort pas en plus, vas-y. Putain, mais c'est impensable, il joue comme le Barça, ces mecs. Youpi, ras le mode légende. Non! Ça va, allez. Non. J'en ai marre de rater mes crochets, bordel de chiottes. Et non, putain, dans le jeu resserré, j'y arrive pas. J'arrive pas dans le jeu resserré, putain. Ah, je vais me la faire mettre là. Il va falloir que je fasse un match retour de ouf. Allez, rien qu'une égalisation, comme ça on les emmerde avec le but à l'extérieur là. Bon, je vais manger, Jean, je reviens. Ok. Mais non! Mais on s'en fout de lui! Je m'en fous qu'il se soit blessé! Tant pis si c'est Villeneuve, bordel! Mais rasé ou quoi? Bah ouais. Le pire, c'est qu'en plus, C'est j'ai pas même pas de brillant. remplaçant. Plus super Villena, super! Non mais génial, génial, allez, ça commence! Putain. Plus ils me le mettent à perpète le ballon, super, pour recommencer à construire. On n'a pas un qui va être foutu de marquer un but dans cette équipe. Équipe de bras cassés, c'est pas vrai! Bah oui, allez. Un petit coup franc pour l'arbitre, pour l'ordi, vas-y, nique-moi jusqu'au bout. Attends, je reviens. C'est chiant le décalage, oui, c'est on sait, mais c'est obligé, il est obligatoire celui-là de décalage. Ah, de C'est. 30 secondes pour le temps de réponse là. Ouais, sur le live Twitch, ouais, Ah, c'est. bah Je viens ça, de voir ça. c'est obligatoire, ouais. Bon, je reviens. Ouais, enfin bon, si tu veux, mais je la donne à qui la balle? T'es mignon, toi. Bon, allez, on va tenter, hein. Une tente. Rien à rien. Non, mais non! Putain, s'il avait pas été gêné, il aurait couru un peu mieux et il aurait pu taper le ballon de la tête. Et on va se faire. Allez, allez, allez. Non, mais non, t'aurais dû garder la balle, le couillon. Ah, bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr! Et allez, non mais c'est bon. Ouh. Ok, je suis reparti pour reproposer de la merde. Allez, on perd 2-0, donc là le match retour. J'y crois même pas, tiens. Allez. Attends, allez jusqu'au bout au fond de ma pensée, j'y crois pas du tout. Hop, ah bah tiens, je suis pas le seul à me faire prendre une quenelle. Même le Real s'est fait prendre une quenelle. Eh bah dis donc. Non mais qu'est-ce qu'il a encore? Eh, va te faire foutre, putain, ça va, je te propose un truc dans un club. Putain, mais tu. Ah là là, je sais même plus ce que j'avais proposé déjà. Bon, on va mettre rotation. Parce que je sais même pas ce que j'ai proposé à celui-là. Ok. 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 Ah, voilà, Medran.
Bon, bah voilà, le dernier joueur est là. C'est lui, c'est Medran, un petit jeune de la Castilla. Voilà, on remplit avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Ah, et Corinthians, 16 millions. Non, mais non, non, non. Vous le voulez? Faut payer. Je suis désolé, je vais pas le lâcher. Hein. Moi, je le garde, lui. Donc, vous payez le prix plein pot. Voilà. Ah, tiens, il aurait baissé d'un million. Je baisserai pas. Ça sera 29 et 29. Comme ça, au moins, voilà. Je vais rebaisser, bah oui, bien sûr, 2 mois en plus. Bah oui, génial! J'ai tellement de chance, mais dis donc. Quand même, voyons. Enrique Royo. Ah, bah enfin! Bon, je m'en fous, je m'en débarrasse. C'est le petit goal de 56 général. Dehors. Pist, allez. Bon, allez, on va se rattraper en championnat. Enfin, j'espère. Bon, on va arrêter de mettre ce maillot, hein, parce que je peux en dire que la couleur me va pas ce soir. Et bon, ah, bah tiens, c'est parfait, vous avez un alternative, génial. Pouah, génial, j'adore cette petite équipe. Voilà. Ok. Voilà, on fait tourner. Voilà. De la belle. Pablo, on va mettre Zuzurza. Putain, il nous manque celui-là. Tiens, je vais mettre Barcina ici. Voilà. Bon. Allez, on va aller avec ça. Hein. Allez, courage. On peut le faire, hein, ça va, c'est un match de championnat. Mais bon, aussi, il faut se dire que les matchs de coupe aussi, j'y pense. Dans les matchs de coupe, dans ce jeu, les clubs se donnent 150 fois plus qu'en championnat. Donc, je pense que c'est plutôt normal. Je pense qu'ils avaient plus envie de gagner que moi, apparemment. Donc, bon, ça c'est vu. Ça c'est vu qu'ils avaient plus envie de gagner que moi. Peut-être lire les commentaires. Parce que là, par rapport au jeu. Ah, bah oui, non, mais ça c'est les 2 secondes, gars. C'est ça, je peux rien y faire. C'est boîtier d'acquisition. J'ai pas de carte. J'ai pas de. Comment ça s'appelle? J'ai pas de. Ah putain, de. Carte d'acquisition qu'on met dans les PC. Quelqu'un peut me donner les résultats des matchs d'avant? Bah, je viens de perdre 2-1. Enfin, je sais pas si t'es arrivé avant que je finisse le. 2-1. 2-0 si t'es arrivé avant que je finisse l'as de guerre. Salut d'ailleurs. Bon. Voilà. Allez, on y va. Et puis un petit coup de café. Espérons que ça me remotive un peu. Allez, allez. Bon, c'est Seferovic, hein, notre attaquant, donc faudra pas. Pourquoi j'ai pas mis Benzia là? Ah merde. Bon, c'est pas grave, au moins on fait jouer un petit peu Seferovic. Il est bon de la tête. Enfin, c'est tout ce qu'il est bon. Merde. Allez, faut que je me concentre, bordel. Allez. Faut pas faire de bêtises. Toc. Toc. Ah oui, mais Hervias, il est jeune. Zut. Allez. Voilà, je t'ai vu tout en bas. Castro. Castro! Mais non! Allez, bordel, bordel. Bon, je me suis pris une grosse quenelle. Et je suis pas le seul, hein. Même le Real s'est pris une quenelle. Par une petite équipe. Non, sérieux? Oui, ils ont perdu 2-1 au match aller. Moi, j'ai perdu 2-0. Pas dur. Merde, je viens de faire une bêtise. Ça va, elle est rattrapée. Ouais, mais bon, comme on sait tous, en match de coupe, les équipes, même les plus petites, elles se donnent 150 fois 1000 plus qu'en championnat. Donc je pense que c'est normal. Hein. Putain, il me presse. J'ai horreur de ça. Et voilà, je fais une connerie parce qu'on me presse. Putain, faut que j'arrête de faire des conneries comme un noob. Wouh! Allez! Nardenomo, comme on dit. Putain de merde là, tu vas arrêter de m'enfiler là, il y a de merde. C'est moi qui vais t'enfiler, tu vas voir. Regarde bien, regarde bien, regarde bien ce qui t'arrive. T'es prêt? Tête. Ah putain. Mais oui, mais c'est un gros cornichon celui-là. Castro, c'est le pire des cornichons. Oh, il y a un penalty. Oh, oh bah, il a fallu que je m'énerve pour que le jeu soit un peu à mon avantage. Merci. Oh bah Hein? putain, je savais pas qu'il fallait que je m'énerve encore plus pour avoir un avantage. Bah Ok, c'était pas c'est trop. bon, c'est bon à noter ça. Bon, c'est qui va me taper là? Oula, attends, faut que j'arrête de faire taper n'importe qui maintenant, il faut que je regarde les stats. Griezmann. 63,
63, 69. Il n'y est pas sur le terrain. 69. Ah oh, bah ça sera Pardo alors. Allez, Pardo. Hein? Il m'a pas sélectionné joueur, ça commence bien. J'ai dit Pardo du con. Merci du con. Allez, t'es prêt du con. En avant. Guingamp. Eh merde, je l'avais pas rentré. Youpi. Ah, allez, je te l'ai dit, ce soir ça va recommencer. La quenelle, elle revient. La grosse quenelle de la dernière fois. Là. Faut se calmer, faut se détendre. Oh, en même temps, Pardo, voilà quoi. Oh, il te l'arrête, oh, ça c'est dégueulasse. Bah, c'est. C'est n'importe quoi ça. Je crois que j'ai bien fait de faire qu'une heure 15 parce que sinon je vais péter un câble au bout de 2 heures. Tu m'étonnes. En gros, 1h15 c'est 4 matchs à peu près. Enfin, 4 à 5 matchs. Bah, 4 matchs. Allez. Allez, Seferovic. Allez. Croisé. Voilà, Seferovic. Voilà, fais-moi mentir. Fais-moi mentir quand je dis que t'es nul. Voilà, fais-moi mentir. Continue, mec. Voilà, c'est tout. Hein, on veut me la mettre la petite quenelle entre mes fesses. Attends. Eh ben non, elle rentre pas. Attends, j'arrive moi. Attends, 2 secondes. Attends, j'arrive moi. J'arrive, tonton. Là. J'arrive, attends. C'est bon, on s'énerve un peu là. C'est la rébellion là, stop. Ça suffit là. Ça suffit, n'est-ce pas? Allez, putain. Non. Faut arrêter de me prendre des buts là sur engagement. Putain, fou, ça va. Fou, tout va bien. Allez. Seferovic, allez. Faut quelqu'un. Ah, t'es là, toi. Très bien. Faut quelqu'un d'autre, là. Très bien. Allez. On est 8 à regarder. Super. Allez, vas-y, Castro. Putain, mais sert à quelque chose une fois dans ta vie, putain, connard. Dommage. C'est pas grave, allez. Merde. Allez. Bien Hervia. Non. Non, il y a pas penalty, il a bien prise. Mais faut arrêter. Non. Mais ça sur Next Gen, ça c'est les tacles quand même quand tu tacles bien, l'arbitre il est con. Mais je touche la balle, putain. PD. Mais n'importe quoi. Allons voir ça. Je touche la balle en premier, le mec, j'y peux rien s'il vient s'empaler comme une bite. Putain de merde. Ouais. Et genre la faute elle est à l'extérieur de la surface. Allez, une panenka, bah oui, tiens, pour bien me troller jusqu'au bout. Et genre elle est à l'extérieur de la surface la faute. Mais en plus il y a même pas faute. Sale pire. Ouais, le mec il tombe à l'extérieur de la surface, donc normalement il y a coup franc et en plus le mec il met son camp en opposition. Oh là là, chouchotte. Putain. Alors toi t'as un penalty, t'arrêtes et toi? Rien du tout. En plus, il était presque au black, mais bon. Il te troll. Il te troll bien jusqu'au bout. T'as fait tourner pour ouais. Les surposer. Ouais. Putain, mais allez! Oh, mais c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe là? D'habitude tout va bien et là ça recommence. Putain, les gars, vous foutez quoi là? On dirait que je me fais rééquilibrer là. Pourtant, je suis en mode carrière, merde! C'est bah, quoi coach, ce... Allez, je fais que des conneries aussi. Coach, vous nous augmentez quand? Parce que si c'est pour pas, ne pas nous augmenter et jouer, ça sert à quoi? Allez, bats-toi, bordel. Allez, je me fais niquer la gueule. Allez, vas-y, sors en touche. Sors. Putain, merci, sympa. Oh.
Puis non, Seferovic se faisait tenir le maillot, mais non, non, on siffle pas, tiens, là, comme par hasard. Et Seferovic, ouais, il est moyen, il est pas encore dans son match. Alors peut-être qu'après on est trop exigeant avec lui, mais bon. Allez, une petite Kaisai. Bon, ça passe pas, hein, moi ça ne passe jamais. Comme par hasard. Tout est question de hasard dans ce putain de jeu. Et c'est chiant. Alors, mon défenseur à l'ouest, l'autre défenseur, ah ça va, il s'est réveillé. D'accord, le truc qui a servi à rien, merci, c'est pas là que je voulais. Non, 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 allez. Putain, mais j'ai l'impression qu'il joue comme le Barça! C'est quoi ce bordel là? Bienvenue dans les modes internationaux, non? Légende. Légende, ah merde, je confonds toujours. Non, mes joueurs ne réagissent pas. J'appuie sur le bouton, ça ne réagit plus. Je crois que je vais arrêter de faire les lives sur longue carrière, c'est... à chaque fois ça se passe mal. Bon, on dirait que j'ai un poids, je sais pas, j'arrive pas à me libérer, je joue mal, l'ordi me nique, tout va mal. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Hein. Putain. Même le triple carré, ça rentre plus. Non, ça marche pas. Allez. Non. Non, c'est parce que ça. Il me promène complètement. Il me promène. Je touche. Le gars te propose de faire des changements. Ouais, mais bon, ça servira à quoi? Je vais me faire niquer quand même, alors. Je veux bien, hein, mais bon, je vais me faire niquer quand même. Il fait pas d'appel, je fais quoi? Il fait pas d'appel. Peut-être rentrer. Ouais, attends, t'as fait rentrer qui? Ouais, c'est nickel. Allez. Non. J'y arrive pas. Non. Ça passe plus.
Ça passe plus. Fini. Je vais pas y arriver. Allez, Benzia, ça sert à quelque chose, putain. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, connard. Bonjour, j'ai loupé quelque chose. Alors non, pas du tout, Jordan. Il y avait 2-1. T'as perdu combien le premier? 2-0? 2-0. Et puis là, bah regarde le score et bah c'est... Je recommence à perdre. Voilà. Fou! Allez! C'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe encore une fois? Allez. Bon, je vends du stuff merde, je m'en fous, va te faire foutre. Bravo, ah enfin on s'intéresse à lui. Désolé mon cher sorti, si c'est pas 4 millions 9, c'est 6 millions, faut savoir payer, vous avez l'argent, point barre, allez. Assumez maintenant, vous avez... on sait que vous avez checké, allez. Hop. Bon, allez, Bilbao. Tu voudrais prendre quoi comme joueur au mercato? Bah moi il est terminé le mercato donc après, à part quand je vais recevoir les sous de Bravo, s'ils acceptent les 6 millions, ça serait plus un remplaçant défenseur gauche, plus vers la défense. Il y a l'As de Guerre qui vient de... Désolé, je pense que t'étais, ouais, t'étais pas là au début du match, mais il vient à peine de voir que il me fait il te fait d'ailleurs. Il te fait je rêve ou tu as deux matchs en deux jours? Et bah non. Non, tu rêves pas, t'inquiète. C'est bien la logique de IE, tu vois. Voilà, c'est pas un mirage, t'inquiète pas. Pour le prochain mercato, qu'est-ce que tu souhaites en fait? Celui d'après quoi, cet été? Bah. Celui de l'été, je sais pas. Je saurais pas vous dire. C'est pas encore, on verra à la fin de la saison. Ouais. Non, Jean Villeneuve, il s'est blessé. Bah ouais, j'ai perdu. Non, mais ça recommence, la malchance revient. Yes. La malchance revient, attends, j'en avais pas trois, attends, ils sont passés où? Ouais, c'est bâtard. Ah oui, Medran, voilà, le petit nouveau, l'un des petits nouveaux. C'est très bâtard qui fout deux matchs en deux jours. Ah, attends. Alors, on a récupéré Cancelo, mais pas à 100%, donc je peux pas le faire jouer. Ah, ça c'est cool. Mais on l'a récupéré. Ah, mais voilà, André Gomez, putain, je le cherche depuis tout à l'heure. Je savais plus où est-ce que je l'avais foutu celui-là. Ok, un petit truc en défense. Il n'y a plus rien. On a tout niqué quoi. J'ai des joueurs en réserve. Regardez, il m'en reste plus que 4. 4 qui sont 4 qui peuvent courir encore. Tout le reste, c'est blessé, fatigué, mort, caboute. Et tu verras après quand on... Ah bah là c'est le premier match consécutif. Oui, c'est Bilbao là. Et ensuite t'as Chelsea Bilbao. Ouais voilà. Allez putain. Faut que j'arrive à me débarrasser de ce poids, que je recommence pas à me laisser prendre par la défaite. Allez. Il faut bien se concentrer. Kaysa vient de mettre une photo sur Facebook. Ah, sur sa base Facebook. Bon, je le dirai après, mais je me retiens. Ouais, y a, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a une surprise. Je fais qu'une heure et quart de carrière, donc 4 matchs.
Et après, on va basculer sur une petite surprise qui va durer jusqu'à la fin du live. Allez, Medran, petit nouveau là. Allez, montre-nous tout ton talent, tu viens de la Castilla, mec. Oh, le bon centre! Ah, dommage! Voilà, il commence bien, lui, il fait des bons centres, voilà. Allez, vas-y, Moussa! Non, non, te rate pas, putain! Oh, fais chier, Caput. Non, c'est bien ça, le petit nouveau, il montre déjà son potentiel. À Castilla, c'est un bon centre de formation, ça. Allez, hop. Et combien au classement, là, de la Liga? Je sais pas. Pablo! Non, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'avais entendu un coup de sifflet, j'ai rien compris. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est Airaizos. Il est vieux, lui, ça devrait aller. Enfin, j'espère. Bah oui, normalement. Non, c'est pas ce dribble là que je voulais faire. Merci Pablo. C'est pas grave, on va essayer de récupérer cette balle. Medran. Non. Allez. Allez, ouais. Faut dégager. Faut dégager, tête. Voilà, toc. Vas-y. Ouais. Allez, Griezmann. Heureux. Griezmann, Non, il est où ton jeu? Allez, montre-moi tes images. Ouais, il y a pas mal de gens sur le live. Mm-hmm. Donc, bon, ouais. Pas vu. Allez, on va dire qu'il y a hors-jeu, c'est pas grave. Allez, on se replace, on se reconcentre. Allez. Voilà, j'irai bientôt allumer un play, moi. Allez, on dégage. Ouais, c'est pas très loin, mais c'est pas grave. Allez. Allez, vas-y, Vela, cours. Allez, allez, mon grand. Allez. Allez, montre-lui qui c'est le plus fort, bordel. Putain. Là. Oups. On touche plus la balle, on touche plus la balle. C'est bon, on peut la retoucher. Putain, mais... Eux, toutes leurs passes, elles passent. Non. Mais c'est pas vrai, au Black, tu fous quoi depuis tout à l'heure? Non, non, mais non, ça va pas recommencer. Il va pas recommencer à faire des matchs de merde, celui-là. Putain, depuis la dernière fois, ils faisaient des bons matchs. Là, ils recommencent à se prendre que des buts. Tout le temps, constamment. Non, y a un problème. Y a un problème. Je me prends trop de buts, là. Y a quelque chose qui tourne pas rond. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je joue en live, c'est... Je sais pas, qu'est-ce qui se passe encore? Certainement. J'en suis loin que tu dis rien sur la photo. Tu dis juste what the fuck, mais voilà. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Merci. Total what the fuck. Allez, on dira après ce que c'est. Il me prend trop de buts, allez. Je prends trop de buts et j'en mets pas assez. Putain, allez. Détends-toi. Ah. Putain. Ah, mes défenseurs ne réagissent pas, j'ai des plots. Non, je fais des mauvaises passes. J'en ai marre, l'arbitre! Non! Arrête avec tes pénaltys imaginaires! Putain, mais j'en ai marre! Je vais arrêter le mode carré en live, quoi! C'est bon, stop! Je vais arrêter! En vidéo, tout se passe bien! Et en live, si j'ai l'impression d'avoir la pire poisse de l'histoire de l'humanité, quoi! Ah, bah, certainement! Non, j'y arrive pas, je comprends pas. Allez. Allez. Allez, on est avec toi. Enfin, pour ma part, je suis avec toi. Moi aussi, on te soutient. Merci.
Bon, attends, tu sais quoi, on va faire technique de pute. Défensif. Contre-attaque. Voilà. C'est tout. Si on doit jouer comme une pute, on va jouer comme une pute. C'est tout. Allez. Et s'il me gonfle trop, je vais même faire pire que ça. J'en fais pas, les arbitres font tous. Non, pour te faire réagir. Alors là. Ultra def, c'est bon. Il m'a trop saoulé, je vais jouer en ultra def et contre-attaque. C'est bon. Putain, allez. C'est bon. Oui, monsieur l'arbitre, il n'y a rien du tout, mais tu siffles quand même. J'arrive plus à jouer. Bon, 3-0 à la mi-temps. Je vous avouerai, là, je me retiens, mais j'ai une folle envie de me chialer carrément. Mais chialer complètement. Putain. Mais c'est pas ça que je t'ai. Eh, va te faire enculer, c'est bon, stop. Je réfléchis plus. Allez, putain. Allez, je lance aussi mon haveur. Pourquoi il... Il y a plus personne là, il y a même plus Vic Garcia. Je sais pas. Non, j'ai... Tout ce que je tente, c'est raté. Il y a Jourdain qui te dit, au fait, j'ai oublié de te dire un truc. Je me suis abonné à toi ce matin, si ça peut te remonter le moral. Merci, c'est gentil. Il te tire, il fait un smiley bizarre qui... Bon. 2 points et 1 dollar, je crois. Enfin, je sais pas ce que ça donne. Ah, tu perds 3-0. Oui. Le mec, il vient de se rendre compte que... Ah, mais je regarde à peine le... Bah, le score. Ah ouais, ok. Au pire, tu triches un peu, hein. Non. C'est bon. Bizarrement, j'ai une pub sur les chips de Vico qui vient d'apparaître. Ah, tu te crois marrant, toi, hein? Ouais, Coco. Allez, moi, je vais faire des matchs. Des matchs Ultimate Team, bitches. Est-ce qu'on peut... On peut pas rencontrer ses amis en... Ah, non, tu dis rien. World. Ta gueule. Ouais. Il a dit quoi, surprise? Maintenant, à cause de toi, c'est plus une surprise, mais bon, voilà. T'es con. Tout le monde sait que le bar est sorti. Oui, mais je sais pas si on peut affronter ses amis, et bah on verra. Moi, perso, j'ai pas encore lancé le mode, donc voilà. Putain, mais j'y arrive pas. Dès que je passe le rideau défensif, je me heurte à... comme un espèce de cheat code. En fait, c'est paf, c'est comme moi, c'est exactement la même chose. Oui, mais moi en vidéo ça fonctionne. Je sais pas, en vidéo je suis prêt même à mettre des scores de ouf. Je me mets en live, terminé. Plus rien. C'est comme si je savais à peine jouer en semi-pro. Bon, bah si tu veux, on fera un match, on verra bien si tu m'exploses ou pas. Pff, tu m'exploserais 8-0, c'est bon. Ouais, alors on fait le match, les gars.
Je comprends pas. Tout ce que j'essaye de faire, ça marche pas. L'arbitre, comme par hasard en live, il me nique la gueule dans tous les sens. Et en vidéo. Tout va bien et. C'est quoi, c'est... Allez. Ah, même pas de chance, même pas de chance, même un tir contré, il rentrera pas. Tellement qu'on n'a pas envie de me donner la chance. Parce que t'es en live. Ouais, c'est ça. Il y a 2 semaines, ça s'est passé comme ça. Bizarrement, vendredi dernier, ça allait. Mais là, cette fois-ci, c'est comme la dernière fois, comme il y a 2 semaines. Enfilade sur enfilade sur enfilade sur enfilade. Ah ouais, même un tir contré, ça rentre pas. Non, mais là, faut arrêter d'abuser. Je sais pas, on dirait, c'est comme si j'avais, je sais pas, une pression supplémentaire. On dirait, je joue pas relâché. J'ai l'impression de. J'arrive pas à dérouler tout le jeu. C'est très très bizarre. Oh, ouais. Je sais même pas qui faire rentrer. Personne ne fait la différence. Alors. Eh, Nico. Oui. Le nouveau mode, il reste jusqu'à la fin de FIFA. Oui. Certainement. Pourquoi il me dit que j'ai 4 packs? J'en ai pas. Alors, on te dit c'est Twitch qui a payé EA pour que le jeu fasse tout pour que tu n'aies pas de chance. Ah ouais, mais c'est ça que je comprends pas, c'est chelou quoi. C'est chelou complet. Là, c'est. Je pense que je sais pas, je suis en train de réfléchir en même temps, je me dis c'est peut-être une pression, je me fous en supplément parce que je suis en live et là, je sais pas, je joue comprimé, je le sens, ma manette, je la. Bientôt, si elle était pas solide, je l'aurais déjà explosé tellement que je la comprime. Trrr, putain. Allez! Attendez, on va faire comme dans GTA, on va faire un code. Alors, attends, bas, haut, gauche, droite, 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 R1, R1, L1, R2, L2, croix, carré, rond. Triangle, rond, 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 on y va. Allez, peut-être que ça va marcher, hein, je sais pas. Hein. On va tout tenter, hein. Après on va aller faire un petit peu de vaudou. Il a eu une bonne équipe, lui. On va faire un petit peu de vaudou après, je sais pas, on va faire, je sais pas, on va. Ouais. On va manger des papillons, je sais pas. Des papillons. Bah, juste que tu fasses. Tu te détends de l'esprit. Mais j'y arrive pas, c'est ça le problème. Bah ouais, le pire c'est qu'on a beau me le dire, c'est mon cerveau, c'est il est bloqué, tu sais. Non, je veux pas une enculade. Non. Toi aussi tu te fais enfailler. Ah tiens, bien. J'ai fait une fois enfailler, s'il te plaît, avec un gardien qui s'appelle Young, je sais pas quoi là, Kim Young Dai. Gardien nord-coréen qui joue au foot. Bon bah voilà, perdu 3-0, on enchaîne. Ah, j'ai failli avoir de la chatte là, mais non. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, bah désolé Reyes, t'es arrivé trop tard, plus de sous. Y'a plus d'argent, les caisses sont vides mon pote. Puis en plus ils vont s'aligner dessus pour Bravo, donc je vais pouvoir prendre des trucs. Alors la défaite lors de la dernière rencontre nous a laissé un goût amer en bouche. Bah oui. Désolé hein, j'ai pas de chance aujourd'hui la CA, désolé. Je peux rien faire. En plus là on va faire aller le dernier match, là c'est le match retour de coupe, ça va être super. On perd déjà 2-0 le match aller. Le match retour, il faut déjà mettre 2 buts pour égaliser. Alors là, déjà ne serait-ce que mettre un but. En plus, je vais être obligé de mettre mon gardien remplaçant. Je vais devoir changer toute l'équipe. Ouais, c'est ça, toute l'équipe. Attends, est-ce que j'ai récupéré Mais j'ai rien fait, mais c'est une chiasse de bite là. Putain, bon, tant pis, je l'ai pas récupéré à 100%, mais il faut que je le mette. Je sens que j'ai pas de chance aussi comme toi, la Lipiti pour l'instant. Ah, d'accord, j'ai plus personne. Il veut aussi m'enculer. C'est la soirée des enculades. ça c'est à coup sûr. Hein. C'est à cause de notre ouais, victoire. Ouais, et puis aussi. Monter, ouais, et puis aussi, voilà ce qui se passe quand IE fait bien ses calendriers. Voilà ce qui se passe. Mes joueurs sont complètement morts. Je sais même pas qui mettre. Voilà quoi. Là, mes chances de victoire sont passées de 8 à moins 4443. Ah bah en fait je viens de marquer un but, donc ça
T'as de la chance. Ouais, mais sauf que pour le moment, le mec il me domine quand même. Tes joueurs ils jouent. Ouais, c'est ça. Toi au moins, tes joueurs ils jouent. C'est ça. Bon. Pour l'instant. Putain, regarde-moi qui je dois mettre. Regarde-moi ça, qu'est-ce que je dois mettre, quoi. C'est des trucs. Je sais même pas à qui mettre tellement que j'ai personne. Ils sont tous morts. Ils sont morts complets. C'est super les calendriers. Vive les calendriers. Oh, je suis de la bite. Je sais même pas à qui mettre, les gars, vous savez quoi. T'as combien dans les effectifs, toi? Et bah, je sais plus, mais j'ai quand même un banc de réservistes assez intéressant. Mais ils sont tous morts, ils sont morts, 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 pire que morts. Ils sont décédés carrément. Tu sais, tu veux jouer des cadavres. Je sais même pas comment je vais faire, je vais devoir y aller sans gardien, quoi. J'avoue, sans gardien remplaçant carrément. Même FIFA aurait pu simuler le fait que les matchs soient retardés. Parce que là, j'avoue que quand t'as enchaîné les deux matchs à la suite, c'est bizarre quand même. D'habitude, ils font le match a été. Bon, allez. On va y aller comme ça, les gars, hein. Tant pis. Allez, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure à un ami youtubeur, Ken pour se faire Ken, bah autant se faire Ken, hein. Allez, match retour. Peut-être que par le Saint-Esprit, nous allons avoir enfin une bonne étoile et peut-être déjà mettre deux buts. Ça serait déjà égalisé, mais bon, on va voir. Alléluia. Ainsi soit-il. Oh putain. Non, les frappes de loin ne marchent pas. Bon, déjà ça, on va peut-être oublier. Alors. Quand tu veux. Ah, quand même. Yoel, là. Le gardien. Leur gardien en plus s'appelait Yoel, quoi, le mec, quoi. Oui, il a plus de chance sur les derniers trois quarts. Eh, mais Mario Godzin, il est énorme. C'est quand que t'arrêtes la carrière solo? Juste après ce match. Oui, t'as plus de chance ensuite. Ouais. Oh, le surprise. C'est que. J'ai l'impression qu'en live, c'est. C'est comme si genre l'ordi il voyait ce que je fais, quel bouton, dans quel sens je vais et tout. Tu sais, c'est, je sais pas, un sentiment que t'as l'impression d'être espionné par l'ordi, quoi. Qu'il sait d'avance ce que tu vas faire. Anticipation. Ouais, mais là le problème c'est que moi j'anticipe plus rien, j'encaisse. T'es sûr que t'es en. Allez, Coman. T'es sûr que t'es en pro? Je suis pas en pro, moi je suis en légende. Ah oui, en légende. Bah oui, bah. Et je descendrai pas, d'habitude j'y arrive, je gère. C'est juste une enfilade comme les autres, et puis c'est tout. Ouais, exactement. Je suis victime, tout ce que je peux faire, c'est me mettre à quatre pattes en position fœtale, et c'est tout. Et attendre que ça se finisse. Voilà, et attendre que ça passe. Malheureusement. Allez. Putain, mais mes frappes sont contrées. J'arrive même pas à frapper. Oh, eh ben non, il est marqué. Je suis sûr que si le jeu il se fait hacker en même temps que je joue, il va être marqué sur l'écran. Tu ne marqueras pas. Allez. Putain. En plus, je le sens, je sais pas. J'ai l'impression que je pourrais leur mettre des buts, mais j'y arrive pas. Il y a quelque chose qui m'empêche de marquer. Allez, mes défenseurs, putain. Le goal. Tout ce que j'ai pu récupérer, c'est Roi en Cancelo, mais pas à 100%. Le pire, c'est que là, je suis obligé de faire jouer Bravo parce qu'au Black, il était mort HS complet. Merci le calendrier. Même les gardiens, moi, je change jamais le gardien en plus. Mais obligé, moi, là, j'étais obligé. Allez. Hop, hein. Vas-y. C'est vrai que j'ai jamais enchaîné deux matchs à la suite en mode carrière. Ouais, voilà. Oh, Götze! Oh, je crois que je le kiffe. Oh, la reprise de Black Evoge. Ah, moi, pour le moment, tu vois, c'est. Je sais même plus qui l'a mis, c'est un de mes attaquants, Vico. Et c'est Bender. Sinon, je me fais un peu dominer en fait. Je teste le 4-3. Juste une petite pause, je dois baisser un petit peu le son de la télé du salon et je reviens. Là, le mec, il veut se ramasser plein de cartons, ce connard. Bah, là, j'ai un bon coup, je pense. Mais tu dis pas encore.
Il n'y a rien du tout sur World Cup. Oui, parce que les gens, ils n'ont pas encore découvert le... Les Gotsu. Oh, la reprise pied gauche, faudrait que je l'enregistre parce que là. C'est quoi ce but? J'arrive pas à jouer, j'ai marqué un but, mais j'arrive pas à jouer. Ah ouais? Oh ouais, sérieux. Mais en fait, j'ai une équipe pétée, il y a des gens qui ont 66 de vitesse. Dis-moi, tu supportes quel pays? Moi, j'ai décidé de supporter les États-Unis. Ah, mais dis rien. Alors, tu sais rien ce que j'ai mis. Wow, Gotsu 79 en coup franc, c'est tout. Putain. Meurs, voilà les gens. Ok. Allez. Mais non, ça part en contre-attaque, ça c'est vraiment dégueu. On replace le micro, sinon il n'y a pas d'autres commentaires, sinon. Non, mais là je vois rien, mon écran est noir sur mon ordi. Pourquoi moi j'ai pas eu de chance, Vico, s'il te plaît? Pourquoi j'ai eu des mecs qui ne servent à rien dans cette équipe? Je sais pas. Mais dis rien, tiens. Ouais, bonne chance. Oula, y a plein. Attends, je vais te dire après, dès que je suis à la liste. Hein. Je comprends pas pourquoi j'ai jamais de chance que ça soit là-dessus ou sur le normal. Je sais pas. Ah, punaise. Bah, j'ai eu de la chance, je suis ouais, Ramos. Même l'intrigue ne fonctionne pas, c'est super. Putain. Pourquoi j'ai rien vu à jouer? Expliquez-moi, bande de... Là, je suis en train de rager aussi. Même si je gagne, je rage. Allez. Voilà. Merci, Benzia. Voilà. Et le chute. Oui. Le chute qui va avec. Je décale les matchs, généralement. Bonne chance pour ce match qui s'annonce plus que difficile. Ouais, good luck. Tu connais le youtubeur énervé Xenon? Il fait du FIFA aussi. Bah oui. Ouais, je le connais, oui. Mais toi, le trop offensif et pressing, de toute façon, t'as plus rien à perdre. Tu connais Nervez et non? Ouais, je sais. Qui c'est? Qui ça? Ouais, il fait du mode carrière. Ouais. Et sa série sur la Coupe du Monde, il a fait une petite série sur les régènes. Il avait commencé une série sur genre faire une équipe au hasard à partir de Futed ou des trucs comme ça. Allez, non, je m'en fous, même si l'arbitre il siffle, je suis en train de reprendre l'ascendant sur l'ordi. Allez. Allez. On peut le faire, les copains, on peut le faire. Il faut juste bien résister. Allez. Faut revenir, les gars, faut aider vos défenseurs, les mecs. Voilà, allez, maintenant on part devant. Allez, Coman, allez petit, en terre promise mon ami. Cours, Forest, cours. Ouais. Ah, dommage. C'est pas grave, allez. Là, j'arrive pas à jouer. Si le mec me marque un but, du rage, quitte. Parce que du coup, comme j'ai mon match, il a eu un problème de coach, j'ai eu moins 3 points. C'est comme ça. Allez, Gonzalo, pour ton retour, un bon centre. Une bonne tête. Et voilà, il est de retour, Roao. Il est de retour. Flambant neuf. Encore mieux qu'avant. Voilà. Roao Cancelo is back. Un bon centre, une teutée. Et dans le cululu, bâtard. Ça fait 2-2 au total, PD. 2-2 au total. Allez, Celta Vigo, vous allez passer à la moulinette avec votre putain de sponsor de voiture de merde. juste une petite question, Vico, parce que je viens de dire un truc, ton père il est dans quelle marque? Ah bah c'est celle-là, mais oups. Voilà, mais t'inquiète. Pardon. Je sais que tu déconnes. Hein. Pardon. Oups, j'ai fait une gaffe. Maintenant on va te taper. Pardon. Bon, ça va, cette marque elle est pas trop. Non, mais désolé, je rigole, hein, Vico, t'inquiète. Ouais, mais je sais. C'est juste que je suis énervé contre le club, voilà. Ah, mais ça, je sais, hein, t'inquiète. Ah, putain, allez, faut leur mettre la pilule à ces trous du gars. On va plutôt dire qu'ils ne méritent pas le sponsor, voilà, ils le méritent pas, ils sont trop nazes pour ce sponsor, voilà, c'est tout. C'est ça, exactement. Ils ne méritent pas, voilà. La Real Sociedad, eux, ils ont Canal+, c'est tout, voilà, c'est ici la famille. Eux, ils le méritent. Voilà, il faudrait plus qu'ils mettent Citroën au milieu, et voilà, là, ils le méritent. Là, ils auraient un beau maillot Canal Plus. Ils auraient un beau maillot Canal Plus sur les manches et Citroën au milieu. Ah.
Ça peut être pas mal. Ouais. Allez. Putain. Bon, déjà on est à 2-2 au total, donc ça veut dire que là, bon, si je marque plus d'ici la 90, y a les prolongues, mais bon, ça serait pas une bonne idée, surtout vu l'état de mes joueurs. L'état d'origine de mes joueurs de base depuis la première minute, ce serait pas une bonne idée. Allez. Faut les gêner là, là il est perdu l'ordi, là il est en train de se prendre la quenelle qu'il me met depuis tout à l'heure. Là. Il sait plus quoi faire là. Et voilà, il met en touche, il est perdu l'ordi. Il est perdu, je l'ai désestabilisé. Je lui ai fait tomber son château de cartes. Je l'ai fait tomber. Ouais. J'ai tout fait tomber chez l'ordi. Allez les gars, allez maintenant on va leur mettre la grosse quenelle, la plus grosse de l'histoire de l'humanité. Oh le couffrant. Oh mais ouf. Oh, allez. Tranquille. Une grosse zézette, on va leur mettre. 3, je gagne. Ouais, mais c'est magnifique ce match. Moi, je gagne 15-0. Mais j'ai une équipe de beat. Allez. Attends, ce plat, attends, tu connais. Non. Ah, caca. Vas-y, Benja. Dommage, allez, vas-y, Benja, poursuis. Ah, putain, il est déjà cuit, ouais, le mec. Par contre, il y a toujours des petits coups avec tes caisses, d'ailleurs. Ah bah ça ouais. C'est comme ça hein. Tiens, je savais pas que Rosendrel pouvait faire des tours sur lui-même. Oh ouais, ça, hein. Non, Benteke, ouais. T'es sérieux? Ah, t'es sérieux, t'avais une... T'es sur le... T'es sur lequel, Vico? De quoi? Combat. Bah normal. Ah, j'ai cru que t'es sur l'autre. Attends. Moi je suis sur l'autre et j'ai une équipe de merde. Non, pas... Ouf. Allez, Coman, allez, prends la vitesse, un centre, la teuté, non, allez, les gars, allez, c'est la fin de match, là, allez, faut leur mettre la zézette, la bien grosse. Estadio, il y a que ma, maintenant, je dis, en fait, ma gueule. Allez, s'il vous plaît, là, il y a que pause de l'adversaire, jeu en pause, on attend de l'adversaire. Ça sent le rachit, là, hein. Perso, perso, moi je dirais ça sent le rush kit chez ton adversaire. Je pense que déjà 20 secondes. Va-t-il rush kitter? Ah, j'ai mis 15-0. Le centre? Mais non, pourquoi Coman, putain? Et ça, c'est le manque d'expérience. Il a pas suivi. Il était tout seul. Fais caguer. Putain, grandis s'il te plaît, Coman. Grandis plus vite. On a besoin. Et il est en train d'utiliser ses 4 postes, enculé. On a besoin que tu grandisses plus vite, Kingsley. T'inquiète. Il a jusqu'à ses 21 ans. Et le pire, c'est que je lui vole le match. Je lui vole le match à ce enculé. Allez, oui, la défense. Voilà, ça, c'est la défense que je connais, là. Elle était passée où sur les 3 derniers matchs? Allez, non, putain. Tant pis, c'est pas grave. Allez. On va faire un. Wow, on va faire les changements au compte-gouttes, quoi. Vu la physionomie. Ça pue la prolongation, ça, les enfants. Allez, on va sortir le plus mort, on va sortir Canales d'abord. Qu'est-ce qu'on fait rentrer? Allez, Altor Castro, tu vois. Je connais pas, jamais testé. Allez hop. Ce joueur il pourrissait dans notre réserve, donc je sais pas, de toute façon j'étais obligé de prendre le premier venu qui vient, quoi, donc tellement qu'on était cuit. Allez. Le petit Barcina, là, le futur bon petit joueur, là, il progresse bien, là. Il a l'air d'être pas mauvais. Oh, il est sorti, allez, vas-y, putain, tirez, pan, tout ce que... Ah, mais non, Benzia, non, je t'explique, Benzia. Si le gardien sort, qu'il fait une bourde. Faut pas lui tirer dessus, hein. C'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu de tirer sur le gardien. Mais bon, c'est pas grave, allez. Voilà, il est hors jeu, allez, faut reprendre. L'équipe de France, qu'est-ce que tu veux qu'on ait un mec qui s'appelle King? Donc tu es pas trop mal. Mais c'est pas parce que t'as pris un truc qu'ils vont te donner le truc du truc. Donc je te dirai ça après. Je sais, ouais, voilà. C'est chiant, hein. Parce que je parle en langage codé, monsieur. Parle en langage codé. Le truc du truc, tu vois, truc. Ah putain, non, je la sens, le L1 triangle. Hop, l'ordi. Tu utiliseras pas. Il utilise ses techniques les plus fourbes. Il se sent mal, l'ordi, là. Il a peur. Il se fait... Il a peur. Il se fait sur sa carte mère. Il a peur. Allez, Cancelo. En terre promise, mon ami. Frappe. Non, tant pis.
Frappe, Benzia, ou quelqu'un d'autre. Non, elle passe au-dessus, cette pute. Salope. Là, faut que je gagne le match, obligatoirement. Salope. Eh. Heureusement qu'il y a de la forme, sérieusement, parce que sinon, j'aurais fumé quelqu'un. Hop. Bon, voilà, j'ai fini ma vidéo. Oh, je suis contre les Belges. Allez, l'ultime action de du temps réglementaire. Enfin, du on temps... On parle extérieur, on est un peu de couilles. Barcina. Barcina. Oh non, la frappe de merde, va te faire foutre, pauvre tacheron. Bien grosse comme ma bite, ok. Ah oui, oui, c'est bien la suite. Bon, allez, les gars, là, il va falloir faire fin de tacticien. Là. Oh non. Est-ce que je fais sortir Benzia maintenant ou pas? Sachant que mon seul attaquant, c'est Castro. Oh non, c'est quoi cette équipe? Oh le bâtard. Ouais, mais il est mort, de toute façon, il faut que je le fasse sortir, sinon je vais le perdre. Et Bergara, je suis obligé de le faire sortir aussi parce que je vais le perdre aussi. On va faire rentrer Ross. Voilà. Allez, on y va. Dernière cartouche, bataille ultime. Allez, les prolongations. Sinon, après, bah, vu que c'est les pénaux, après, hihi. Voilà quoi. Allez, allez les gars. Eh, mais attends. Ah mince, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Je voulais faire la vieille technique de monsieur K et un S et un I. Coman, le centre. Allez, non, putain! Ça fait 4 fois que je fais le centre et que le ballon il passe à un cheveu du but là, c'est nimpe ça! Mais Ben Tiki! Punaise! C'est pas mal! La frappe en puissance! Oh dommage! Dommage, dommage! Allez, 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 on y croit là, on y croit les copains, on y croit là, dur comme fer à 200%! Allez! Dur comme ma bite! Non! Zurza! Non! C'est contré! Allez, c'est double contré! Faut reprendre! Ah, allez! Ah putain, mais Roi, il est trop loin! Mais ouais, mais il est en train. Je suis en train de le surutiliser, le pauvre! Il sort à peine de sa blessure, même pas à 100%, je lui fous 120 minutes dans les pattes! Allez, bah comme ça au moins il sera en forme! Mais s'il se blesse pas, non! Connaissant le coco, sur les FIFA précédents, monsieur blessure, donc. Faut faire attention! Allez, allez! Je sens que je vais pas pouvoir gagner là. Allez, faut leur faire peur là. Hey. J'espère qu'il n'y aura pas de rééquilibrage dans la chose. Ouais, je pense pas. Je sais pas. Normalement non, parce que t'as. Ouais, parce que. Enfin, t'as forcément un bon joueur de. Ah putain. Putain. Allez. Allez, Nigo. Non. Par contre, non, ça. Quand même comme mode. Ah putain. Oh, ça va, l'arbitre il a pas sifflé. Tout va bien, tout va bien. Allez, on en va. On y va, oui. Non, non, Coman, le ballon. Pff, oh, tu fais chier. Allez. Oh, j'ai failli mettre un début. Oh, pénétration. Ou pas. Ah, non, le Coman, oui, mauvais. J'ai raison, il y a El Sharaoui. Bâtard. Oh. Ah non. Oui. Allez. C'est non, et non, ils sont trop morts. Et ouais, putain, déjà la mi-temps, ça va trop vite dans cette putain de prolongue. Ziva, ça pue en putain. Allez, allez. Attends, ils ont marqué ou il y a combien là? On va pas se faire ken maintenant, les gars. On va pas se faire ken maintenant. Il y a combien? 2-0, total 2-2. Ok. Putain, j'aurais mis ce putain de but. Hein. Enfin, c'est pas le moment de ressasser le passé. Allez, bouge. Oh putain. Allez, ouais. Donnez tout ah votre. Ah non, ah ouais, la victoire c'est enculé. Allez, sacrifiez-vous les gars, sacrifiez-vous là. Il y a vraiment que moi qui n'a jamais eu de bol sur n'importe quoi. Pour avoir un gardien un coréen, hein. Lol. Putain, allez. Allez. Dae. Non, putain, mais les passes, et ouais, mais ils sont morts, mes joueurs, ils sont rincés. Bon, pour cette équipe, c'est Sergio Ramos. Ils sont rincés, mes joueurs. Et Bender, il est pas mauvais. Mais sinon, s'il te plaît, j'ai des mecs à 66 de vitesse. Allez, allez, vas-y, bravo, allez. Pour l'instant, il a fait un match bon, un bon match, allez. Cross. Hey, là, les nouveaux entrants, là, courez. Un peu, là, ils sont morts, là, de l'autre côté. Ils sont autant morts que les miens. Putain, sa mère, là. Putain, ça fait chier de voir jouer avec des culs. Ouh, ça sent bon, là. Allez. Allez, Zuzuroza, donne tout ce que t'as, mec. Allez, allez. Elle passe, tête, allez, toi là, comme un non, personne. Allez, 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 allez à nous, allez à nous. Merde. Ah, un coup franc, allez, un coup franc. C'est bien ça, c'est bien ça.
Bon, non. J'ai fait une connerie, voilà, comme d'hab. Monsieur connerie, c'est moi. Allez, faut la reprendre. Voilà, on l'a reprise. Altor Castro, ouais. Ouh, en fait, non, il est pas mauvais, mon gardien coréen. Putain, mais non, l'arbitre, faut pas siffler hors jeu maintenant, quoi. Siffle hors jeu en prolongation, ça sert à rien, putain. Hors jeu en prolongation. Ça devrait être interdit de siffler le hors jeu en prolongation, là. Non, je veux pas me prendre un bus. Allez. Salope, allez, non, allez, le corner. Le corner ultime, laisse-moi le frapper, pitié. Allez, les gars. J'ai des photos. J'ai des bons photos ultime. Allez. Mais j'ai pas de chance. De toute façon, j'arrive plus à jouer depuis certains temps, moi, sur Ultimate Team, c'est quand ça me gavait. Ah, putain, non. Non, on va au péno, on va au péno, non. Putain, j'y arrive plus, les pénaux. J'y arrive pas, les pénaux. Mais si, tu vas y arriver, parce que t'es Gérard, et Gérard, il m'a plein de pénaux. Bah, de toute façon, t'as... Putain t'as... Et voilà, je rate le premier. Je l'ai dit, je suis mauvais en pénaux. Je devais... Bah vas-y, si tu veux, en 10 minutes, j'arrive à Nice et je te l'ai mis. Non, mais sérieux, c'est facile. Non, 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 ça, c'est dégueulasse. Il arrête le ballon et le ballon, il roule dans les buts. Oui, ok. Ma merde, putain, ça, c'est dégueulasse. Vive les poteaux. Voilà, allez, putain, mais il faut que j'en arrête un, parce que ça sert à, ça sert à rien de le mettre, celui-là. Il faut que je l'arrête, l'autre. Tout à l'heure j'avais affronté un mec qui avait Balotelli. Ah putain, il pouvait pas tirer dessus, je comprends pas, son, pas son, son, appui, son pied d'appui, il dirait. Il tirait Bender, à gauche. J'ai que Bender en attaque et contre. Oh le bâtard. Putain, et je le rate. Non, non, c'est bon, c'est mort. On a perdu, c'est terminé, c'est terminé. Penalty égal jeu à mort, tout à fait. C'est terminé. Et moi, on va je perdre. Me suis fait prendre une tête sur corner, j'ai terminé, les gars. Terminé, c'est plus la peine. Je rage quitte. J'arrive plus à jouer sur ce FIFA de merde! Ou pas, parce que là je suis en train de dribbler toute sa défense avec Zuber. Je sais même pas qui c'est ce mec. Ça me bat les couilles! Ça me bat les couilles! Ça me bat les couilles! Putain ta gueule! Vas-y, vas-y, j'arrive! Yes! Et pour les pitié, je dois gagner ce match. Même si c'est impossible parce que. Putain! Mais pourquoi tu te mets en travers de mon chemin, espèce de défenseur de caca? Ouais, c'est tendu les pénalties, putain. Ouais, c'est tendu. Putain, oh lol. Ok, premier bug que j'ai viens de trouver sur ce jeu. Le défenseur que je contrôle qui s'arrête en même temps. Putain, là, il a fait 3, 4, 8 arrêts là. Lol, on a les mêmes insignes les deux. Non, clubs. Genre. Eh, Biko, j'affronte un club qui a les mêmes insignes, FCG. Donc que lui c'est je sais pas comment il s'appelle là, son club. On va aller s'arrêter vers le prochain. Non lol, non mais c'est n'importe quoi ça. Tu t'es fait pénétrer. Bon, alors, mais ouais mais genre le gardien il sait tout. Il sait toutes les directions d'où tu vas. Lol. Tu allais tirer. Je suis pas en train de regarder puisque je suis en match mais. Putain c'est lol ça. Bon, bah je crois que c'est fini pour ce soir. Alors, bon, pour eux, t'es plus de chance après hein, j'ai envie de dire. Bah je vais m'arrêter vers le prochain match là. Ah oui, il faut que je pense là, défenseur gauche. Bah Luke Shaw. Bah déjà je vais regarder ce que j'ai déjà. C'est ce qu'il faut que tu prennes Luke Shaw. Il est vraiment bon. Les candidats possibles. Je crois qu'il me tire mes corners. Alors le premier candidat c'est Gaïa de Valence, un jeune de 18 ans. Le deuxième c'est Bernat Velasco de Valence aussi. En troisième on a Jethro Willems. Mais bon après je pense pas qu'ils vont me le filer pas cher. Et le dernier que j'ai perso c'est Mourou. Et on va aller chercher donc Luke Shaw. Je pense pas que pour 5 millions ils vont me le filer mais bon on va essayer. J'achète plus le niveau combien des choses. Je sais même plus comment j'ai acheté moi. Putain, mais je me fais avoir comme un bleu par ce culé de belge là. Bon, je ne traite pas tous les belges d'enculés. Mais là, il est vraiment chiant. Il a joué 18 ans. S'informer. Donc, être qualifié pour les phases finales, cet enculé. Moi, je vais me faire niquer sa mère. Comme d'habitude, parce que j'arrive plus à jouer. Alors, Luke Shaw, 9 millions. Non, en fait, c'est mort. Bon, on va tenter 5 millions, mais bon, je pense pas qu'ils vont dire oui, parce qu'ils m'ont demandé 9.
Donc j'ai pas 9. Hein. Bah bon, on demande hein, au cas où. Toc toc, voilà. Bon, allez, on va sauvegarder puis on va s'arrêter là. Et la surprise, bon bah maintenant on va pouvoir la dévoiler jusqu'à la fin du live. On va faire le petit mode qui est apparu aujourd'hui, qui s'appelle le mode Coupe du Monde. Et ils ont ajouté le mode fut, hein. Ils ont ajouté le mode fut Coupe du Monde. Alors, je vais expliquer ce que c'est le mode fut Coupe du Monde. Donc en fait, votre compte fut normal va être associé à ce compte à 50% dans le sens où il y aura que vos crédits qui vont compter. Vous faites un match, ça vous repartez de zéro. C'est-à-dire qu'on vous fournit une équipe, comme si vous recommenciez le jeu. On vous fournit une équipe, mais 100% Coupe du Monde. C'est-à-dire que par continent, vous aurez des joueurs et le seul lien que vous pouvez foutre, le minimal, c'est le continent. Donc là, vous pouvez vous adonner à des équipes complètement folles. Donc voilà à quoi ressemble le menu en gros. Il n'y a pas de marché des transferts parce qu'il faut... Il faut obligatoirement acheter des packs à 5000 crédits. Les crédits, par contre, bah voilà, comme je disais, vos crédits, vous allez les gagner. Mais si vous dépensez, vous le dépensez de votre compte normal. Mais, pour le coup, il vous donne un pack gratuit hors de la valeur de 7500 crédits. Gratuit à chaque pack Coupe du Monde offert avec soit des points, soit des crédits. Aussi, qu'est-ce que je veux dire, bah vous repartez de zéro, c'est-à-dire que vous gagnez, vous perdez, ça ne comptera pas pour votre compte normal. Et vous ne pouvez pas échanger des joueurs. Par contre, si vous, par exemple, on va dire, vous ouvrez un pack, on a dans le pack gratuit Messi Tots, c'est un exemple. Vous avez dans votre équipe de Coupe du Monde Messi, qui est à 94-95, il prendra automatiquement, il va scanner le joueur que vous avez eu sur votre compte normal, et il lui mettra les mêmes stats, c'est-à-dire qu'il passera de 94 à 97. Pareil pour un des joueurs qui sont Tots ou Man of the Match, à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, les compétitions sont solo, soit en ligne, c'est pas vraiment des divisions. Vous allez le voir, c'est coupé en un peu comme une vraie Coupe du Monde. Vous avez votre groupe de 4 équipes, la vôtre plus 3 joueurs que vous allez affronter au pif en ligne. Et vous passerez, par exemple, vous gagnez vos 3 matchs, vous serez en 8ème, quart, demi, finale. Et voilà, c'est tout des trucs comme ça. Par contre, les contrats, ils vous donnent les joueurs, ils sont à 45 contrats de base. Mais vous pouvez utiliser vos contrats normaux, vos consommables normales que vous avez dans votre moi je vais faire rentrer le coup. S'il y a des commentaires tout ça, faut me le dire. Ouais, bien sûr. Donc en gros, bon bah là je vais vous montrer l'équipe que j'ai eu, l'équipe que les joueurs que j'ai eu dans mon pack de démarrage. Alors je vous présente plus de sens que moi, hein. Alors je vous montre mon 11 de départ, hein, celui que j'ai réussi à faire. Alors donc, on a Olic en attaque, Ivica Olic, continent Europe. Donc là, il faut surtout regarder, c'est Europe. Hein. Bon, au départ, il vous donne de tout partout, donc il faudra faire votre équipe selon le continent que vous avez envie. Donc là, c'est le moment pour ceux qui ont des crédits de mélanger CR7 et Messi avec Ribéry et tout ça. Vous pouvez y aller, enfin, non, pas Messi, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est bon et qui est fort? Agüero? Non, ça c'est Amérique du Sud. Je sais pas moi, on va dire Wayne Rooney, voilà. Wayne Rooney par exemple, vous pourrez associer Van Persie, vous pourrez l'associer avec CR7, avec Ribéry et tout ça. C'est par continent principalement. Alors donc je disais, Olich en attaque associé à G.U. Di Santo. Voilà, de l'Argentine. J'ai eu énormément de chance sur ce coup-là. J'ai eu Marco Reus, continent européen, allemand. Donc, voilà. Le bon gros Reus. Et, ah, donc, t'as eu Götze. D'accord. En fait, j'avais pas compris le lapsus tout à l'heure, équipe normale ou pas. Je croyais que t'avais vraiment eu Götze dans ton pack normal, nouveau compte. T'es fait exprès, t'as cru que j'allais dire oui, mais alors j'ai eu dans le pack de Désolé Vico, j'avais pas fait gaffe. T'as cru vraiment que j'allais dire oui dans le truc machin de démarrage de World Cup? Non, j'avais pas spoilé. Faut me dire s'il y a des nouveaux commentaires ou pas, parce que je vois qu'il y a plein de trucs là. De loin, hein, je vois pas ce qui est écrit, mais. Faut me dire ce qu'il y a de nouveau depuis tout à l'heure. Bah, il y a toujours écrit dommage pour ta défaite. Ah, d'accord.
Donc j'ai eu Guarine au milieu de terrain, continent sud-américain. J'ai eu, bon là, pas trop de bol avec ces deux putains d'Australiens de merde. Désolé pour ceux qui sont australiens, mais bon, voilà quoi. Sarota et. Le pire, c'est que Sarota et Macré, je les connais pas du tout. C'est la première fois que je vois ces joueurs, c'est comme Di Santo. C'est la première fois que je vois ces joueurs. Appelle Hollande dans mon équipe, s'il te plaît. Ouais. J'ai eu Gaël Clichy. Alors, par contre, j'ai eu un peu de chance. J'ai eu Gaël Clichy quand même. J'ai mes deux latéraux français. Comme celui qu'on a en France. J'ai Rod Fanny aussi en défenseur droit. En centrale, bon, j'ai eu quand même Nicolas Lambert. C'est pas non plus. Ça va quoi, encore. Et j'ai eu Carlos Valdez, continent sud-américain. Et j'ai eu aussi de la chance dans mes cages. J'ai Salvatore Sirigu. Bon, après, sur le banc. Sur le banc, je les utilise pas vraiment. Mais on aura quand même Varela du Portugal. Begovic de la Bosnie-Herzégovine. Beauséjour. Ibarra. Et plein toi, je pense qu'en pack de démarrage, il y a pire que toi. Parce que moi, en gardien, j'ai Vargas, le gardien de la Colombie. Bah, moi, tu sais que. Et j'ai eu un Coréen aussi, hein. Moi j'ai eu un Coréen défenseur central. Il y a Kings, Erazzo, j'ai eu Badou, sur le banc j'ai eu Annan, accompagné de Jermaine Jones, Ndian Sembe du Cameroun, Bekles du Honduras et Insigné de l'Italie. Mon coach, j'ai pas regardé, c'était qui Europe. Ah bah c'est Louis Van Gaal. Oh bah ça va, c'est un bon coach ça. 4-4-2, donc voilà pour mon équipe. Qui dit perso, j'ai eu Robben dans le pack de démarrage. Eh ben, bien joué. Allez, on va faire notre premier match, les gars. Vous l'avez vu, moi je suis à 0-0 complet. C'est parti, on va chercher un adversaire, les copains. Je vais t'encourager parce que moi j'ai gagné mon premier match à l'instant, j'ai gagné 3-1. Bâtard, moi je suis en train de perdre. Ça fait le troisième match que je fais. Connexion perdue au début, hein, c'est quand ma connexion a pété. Ensuite j'ai gagné 1-0 et là je me suis en train de me faire niquer 3-0. Van Gaal c'est pas... Attends. C'est pas le nouvel entraîneur de Manchester United par là? Ouais, je crois que c'est lui qui fait la dernière Coupe du Monde et après... Ouais, c'est ça, c'est le nouvel entraîneur. Là par contre je sais pas ce qui s'est passé mais... Ah, échec de la connexion à la partie, ça commence bien. Bon, allez, on y retourne. Il n'y a pas de rééquilibrage, je l'ai vu tout à l'heure, il n'y en a pas du tout. Tu te sens pas que tu te fais rééquilibrer, tous les joueurs sont normaux. Par contre, tu peux faire la possession sur All Gen, j'arrive à avoir la possession. Ah. Alors que sur le normal, ouais. Tu peux pas en avoir. Ah bah oui, normal. Bah ouais. Allez, premier adversaire, Bats 99. Apparemment, il supporte les États-Unis. Moi, j'ai le maillot de la France. Donc, ouais, on va dire, c'est un peu France-États-Unis. Tiens, ça va être intéressant. Alors voilà, tiens, alors ça je viens de je le découvre en même temps que vous. Quand vous affrontez un adversaire, il s'affiche dans votre groupe. Voilà. C'est un peu oui, pour il y a le groupe. Oui, voilà. Alors, en fait, alors lui, il a en plus gros, il a quand même Neuer au cage, il a eu de la chance aussi dans son pack. Il a des petits joueurs sympas. Allez, c'est parti. Alors, le seul stade de ce mode, c'est le Maracana, celui de la finale. Et quand même l'affichage, l'ATH sur Next Gen, il est beau, moi je le trouve beau. Jimmy, je t'avais reconnu, c'est pour ça que quand j'ai eu un peu de c'est Jimmy. Et Gérard, je crois que je vais te faire rager. Enfin, non, c'est Nicolas qui va te faire rager, tu sais qui l'a eu? Messi. Le buteur colombien qui joue en Ligue 1. Falcao? Ouais. Sérieux? Putain. Ouais, bah oui, Nicolas a eu Falcao, j'en les gars. Ai marre, putain. Et il a Raphaël Varane, le mec en défense. Oh, ça va. Putain, mais j'en ai marre, sérieux. Putain, mais on a un petit peu tous un peu de la chance, mais en. Voilà. Hey, sauf moi! J'ai eu que Ramos! Ramos, c'est déjà bien, j'ai eu Götze, moi. GG a eu Roy, c'est un meilleur gardien. Moi, j'ai Vargas, s'il te plaît. Ah, il a quand même Bruma, le gars. Hein. Ça va. Ah, bon, ça va. Il y a pire, son gardien, mais bon. Voilà, quoi, j'aurais pu avoir mieux. Ça m'énerve, je viens d'avoir encore un bug interne, ça va me déconnecter. Et en fait, le groupe, le serveur du service 8 connaît actuellement un fort trafic. Putain. Oh, la bonne passe de Roy, salut mon gars. Est-ce que je dois péter quelque chose, hein? Ah, il y a Kaysei qui a posté, je voulais pas le dire tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit agent Simon, je t'envoie une image, mais tu dis rien. Il y a Kaysei qui a posté une photo de son match. Et t'as les stadios de Maracana qui va. En fait, il est. Comment dire, il est. C'est bizarre, il est encodé bizarrement. T'as pas le public et tout, t'as du vert, non, t'as du turquoise et du bleu tout autour.
Lol. T'as que la pelouse qui est verte, mais le public et tout, c'est de l'encodage, enfin, c'est bizarre. Oui, est-ce que je peux dire un truc ? Olich ! Et le premier but de ce mode ! Olich ! Alors, en gros, je voulais dire... avec le maillot des bleus, les gars. Après, ça prouve tout, les gars. Les matchs, vous pouvez voir pendant les matchs s'afficher en haut à droite les buts qui vont avoir lieu entre les différentes personnes du groupe. Ah, c'est intéressant, ça. Ah ouais ? Et il a brume pas, le mec, en face. Oh, ça va. Ça me casse les couilles, j'ai perdu à cause d'une connexion de merde encore. Bon, je me perdais 3-0, mais quand même, ça me casse les couilles. Ouais, t'inquiète, Jimmy, c'est pas grave si t'avais pas entendu. J'ai pas pu finir deux matchs à cause d'une connexion, alors ça me fait perdre. Y'a Nicolas Galin qui dit « Salut, tu me reconnais, je suis le mec qui a fait les tests à Lyon. » Ah. Ça va ? Ah oui, et alors, il a les résultats ou pas ? Bah, je sais pas. Ah, ça fait quand même plaisir d'avoir Royce, hein. C'est... Ah bah attention, côté gauche, voilà, moi j'ai Marco... non, j'ai pas eu l'occasion de le tester, hein. C'est la première fois que je le teste sur FUT. Donc, eh ben moi je lis. Eh ben maintenant, moi aussi. Oui, mais c'est pas le mode de... C'est pas grave, c'est pas grave. Et alors il est comment ? Oh ça va, pour l'instant, bah j'ai fait une roulette, donc je te dirais pour l'instant ça, et puis tout à l'heure une bonne passe. Ah ça y est, je peux me connecter, alors maintenant, on veut qu'on puisse rentrer dans le mode de Brésil. Il semble que vous soyez déconnecté lors du précédent match. Et pourquoi j'ai marqué ? En fait, je vais pas à Lyon, mais je vais au Grenoble Football Club. Oh bah c'est déjà pas mal, c'est bien. Bon, même s'ils sont pas en super méga division, ils sont plutôt loin. Maintenant, je crois que c'est la CFA, si je me trompe pas. Mais ça est déjà pas mal, ça va te donner une très bonne expérience du niveau du football. Surtout avec des joueurs que t'auras à côté de toi qui seront peut-être un peu expérimentés, je pense. Et d'autres jeunes, donc ça peut être intéressant pour commencer. Quand tu gagnes un match... En fait, ouais, attends, si j'ai bien l'impression, en fait, c'est juste pour rigoler, dans ton groupe, t'auras genre les trois autres adversaires que t'auras affronté, quoi. Pour la statistique. C'est ça, quoi. Ouais. D'accord. Allez. Allez, Fanny, fais ton boulot. En gros, là, je viens de voir, quand vous gagnez un match... Quand vous gagnez un match, vous avez un joueur gratuit de la Coupe du Monde. Oh. Ouais. Et c'est bon, en plus, t'as un pack à chaque fois que tu gagnes un match. Oh. Tu as un joueur. Oh, c'est bien ça. Mais bon. Bien, Sirigu. Genre, Ronan Le Chrome, il atterrit au Grenoble Club. Oui. Bah, c'est un bon goal pour la division où ils sont. Ils ont quand même un très bon gardien d'expérience. Ah bah ça, Ronan Le Chrome, ça aide, ce genre de joueur, ça il va te former, ce joueur-là. Ça va être un peu comme ton deuxième père. Il va t'aider dans toutes les démarches. Bah, bravo à toi, Nicolas, sérieusement. Ouais, parce que c'est quand même bien, hein. Grenoble, bon, on va pas compter leur division, mais on va dire que dans leur palmarès, c'est un club quand même pas mal connu dans la région, en France, donc... Donc ça va, en plus vous avez un très très beau stade, enfin si vous jouez toujours là-dedans, dans le superbe stade là en dessous des Alpes. Je viens de commencer un truc solo, et je pense que, enfin je sais pas si ça vous affiche dans n'importe quel groupe, mais personnellement ça m'a affiché dans le groupe de la France, sauf que j'affronte la France et je représente la France. Oui, non mais ça c'est pas grave ça. Il part se coucher parce qu'il avait oublié qu'il y avait ton live. Il a eu regardé celui de Neoxid 7. Je sais pas si tu connais. Oui, c'est avec lui que je parlais tout à l'heure. Ah, ok, d'accord. Bah voilà. Et il y a Jimmy qui nous dit quand tu gagnes un match, t'as un joueur. Ouais, oh, bah c'est bien ça. Mmh. C'est bien. Putain, depuis tout à l'heure j'arrive. Ah, attends. J'y marque plus depuis tout à l'heure. Peut-être que là. Attention. Olich. Hop. Pardon, excuse-moi. Pardon. Clichy. Y'a pas quelqu'un d'autre là ? Je joue un match en semi-pro tellement que je râle. Fanny. Putain, je suis vraiment étonné que le Chrome ait atterri à Grenoble. Mais moi, tant mieux. Bah. Et lui, il a tout vécu. Freddy Guarry. Oh dommage, parce que lui, le petit Freddy, il a une patate, lui. Ce joueur-là, moi, je vous le conseille, même en normal, Guarin, il a une patate, ce gars-là. Pour mettre les longs shots, c'est pratique.
Ah, même si j'ai raté le truc, Royce, il fait tellement plaisir là. Ça va pas mal, mes défenseurs. Ah, putain, ils s'entendent pas beaucoup en collectif, mais ils sont bons. Hein. Ça y va là, les Valdez et le machin là. Ah, mais hey, moi aussi, hein, y a que 54 en cohésion au total, mais rien du tout. Je ressens rien. Je t'ai dit, y a pas de rééquilibrage. C'est ce mode de jeu, on pourra s'éclater sans rééquilibrage. Ça fait du bien. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ce mode là, je vais le sécher. Hein. Genre l'autre mode pour les vidéos et de temps en temps, mais celui-là je vais avoir comme Zizou là, il a 1200 victoires et tout ça, moi je vais le sécher ce truc. Je vais le sécher complet. Bon, pour l'instant on mène 1-0, 10 Santo. Ah, c'est bien. Oh, j'adore là. Genre les joueurs là, tu vois leur truc de fatigue, c'est bien comme ça. Oh, c'est pas mal, j'aime bien. JS, tu peux rajouter Nicolas s'il te plaît? Ah oui, d'ailleurs ouais. Putain, ce qui me fait merci encore de m'avoir oublié, je fais. Bah ouais, en plus, je sais plus si je te l'ai dit, j'en sais rien tout à l'heure, je m'en souviens plus. De quoi? Que il fallait ajouter Nicolas, je te l'ai dit ou pas? Je sais pas. Non, mais c'est pas grave, je sais plus. Il a encore temps. Attends, il est où Nicolas dans ma liste de contacts? Comment ça se fait qu'il y ait Rod Fanny dans ton équipe? En fait, ils prennent pas les joueurs sélectionnés dans les listes. Voilà. Quand en fait, ce qu'ils ont fait, méthode vite fait bien fait, enfin vite fait rapidement quoi, ils ont pris en fait la base de données normale et ils l'ont foutu sur le mode Coupe du Monde. Et voilà. Ouais, allez, Guarine, vous êtes prêts les gars? Pleine puissance. Pourquoi je t'ai pas Nicolas? Ah, c'est Nicolas. Ah, c'est... dommage, j'ai pas mis le coup. Et je pense que tu pourrais faire un match amical contre Nicolas. Je sais pas si on peut faire des matchs amicaux. Ah si. Ah bon, comment? Si. Moi j'ai pas trouvé, moi j'ai ça, que... Il y a un mode de jeu, match amical en ligne, enfin... Je sais pas, moi j'ai que match solo et compétition en ligne. Ah bah il veut pas répondre Nicolas, lui est bête. Bon bah c'est pas grave. Le mec en face il apprend quand même pas. Depuis tout à l'heure le mec d'en face il subit. Mais bon. Moi j'ai décidé de faire un match en semi-pro parce que voilà... Je suis un... J'aime bien là, avec le maillot de l'équipe de France, ça fait du bien parce que bon, c'est bien d'avoir les maillots du Barça et de Wolfsburg, mais bon, ça fait du bien d'avoir un petit peu les maillots internationaux, ça change. Ah bah, pire, ça fait du bien là. Ouais, penalty, punaise, merde, je suis en train de digérer ma pizza. T'as un bon quand même tireur de carton parce que Guarine, ouais, il a une bonne patate le mec. Oui, putain, ok. Vas-y, Sirigu, voilà. Assurance, Sirigu, l'assurance. L'assurance okay. Tout risque. Putain, hop. Je me prends un carton jaune, c'est dégueulasse. J'adore, il y a David Luiz qui vient dire en conférence de presse, j'ai appris un petit peu le français. Ici c'est Paris. Ça va. C'est déjà bien, c'est que ça va, c'est quelqu'un de respectueux, le mec il apprend déjà la langue avant d'arriver, donc c'est bien. Bah ouais. Oh, Dissanto. Di Santo. Je rajoute Nicolas et Jimmy. Ouais, ça te dérange pas, Gérard, c'est Jimmy. Jimmy, je l'ai pas. Non, vas-y. Jimmy, tu l'as pas. Ah, mince. Bon, bah oui, Nicolas. Tu peux. Envoie-moi le contact de Jimmy, il faut qu'il m'accepte. Alors, Jimmy Kingspoil. Je crois que je l'ai pas. Hein. Mais, il a la photo d'Hollande sur son profil. Hollande avec un truc. Bizarre. Ouais, allô. Ah, salut Nicolas, allô, ça va? Ça va. Envoie-moi le contact de Jimmy. On va rajouter Jimmy, mais il l'a pas encore cette nuit. Jimmy. Attends. Hey, il est bien le mode de la Coupe du Monde, hein, Nicolas? Quoi? Il est bien le mode de la Coupe du Monde, hein? Ça va? Ouais, j'ai Rodriguez, Bernard, Vladimir, je suis technique. Moi j'ai eu Royce, Guarine, tout ça. Moi. Ça va. Il a regardé européen, j'ai eu Stantikizar, j'ai eu Buffon, Adler, Mignole. Trop bien. Ah, bah, moi j'ai eu le goal numéro 2, moi j'ai eu Sirigu. Tu nous dis si on te dérange avec Falcao, parce que là, tranquille. Hein. Ouais, moi j'ai eu que Ramos, et après j'ai rien eu. Bah, moi j'ai eu Götze. Voilà. Bah, moi j'ai eu Olic en attaque et Di Santo. Tu t'as envoyé l'idée de Jimmy. Ok. Ouais, mais de toute façon, je t'ai envoyé aussi. Donc, par contre, faut qu'il m'accepte là. Attends, sinon je l'invite et tu l'appelles. Bah voilà. Ouais, mais je crois qu'il faut qu'il soit maillot de contact, mais oh, vas-y, vas-y, Lombard. Allez, Lombard. Voilà. Ouais, je crois que tu peux appeler vu que je suis invité. Ouais, j'ai un de tes compatriotes, j'ai Lombard. En défense. Ah, c'est bon, ouais, t'as raison. Moi, je suis mignolet, moi. Oh, ça va. Et oh, je te dis, comme. Tout le monde a un bon gardien, moi j'ai Vargas. Ah, s'il te plaît. Bah, non, et... moi, je veux un courrier, s'il te plaît. Ah, dommage.
Ah, quand même, on a quand même mon adversaire, quand même, mon adversaire, il a Neuer au cage. Il a eu de la chance. Vous avez dit moi, les gardiens que j'ai eu en Europe. Mignolet là. J'ai eu Mignolet, Buffon, Adler et gardien russe. Mais pourquoi vous êtes que des chanceux? Moi j'ai eu des merdes dans gardien, et le plus fort c'est un coréen. Et par contre, j'ai eu européen, j'ai Gignac. Moi c'est Olic, moi. Oh non. J'ai eu Olic. Ça c'est une insulte ça. Moi j'ai eu Olic, mais après j'ai eu une signée, mais il est pas en BU donc je peux pas l'utiliser. Et j'ai eu Varela aussi. Et j'ai plus une défense française. J'ai Debouchy et Debuchy et Varane. Moi c'est les latéraux qui sont français, Clichy et Rod Fanny. Moi j'ai rien de français, j'ai que des coréens. Et mon Amérique du Sud elle est meilleure que mon Europe. Dans l'Europe j'ai que dalle. Ou pas, dommage. T'as réussi à prendre, à appeler Jimmy ou pas? Ouais, je l'ai appelé, mais il répond pas. Ah. Bah, Jimmy regarde le live donc il est censé. Attends, je vais réessayer d'appeler. Enfin. Allez, vas-y, Fanny, cours. Dommage. On peut pas faire des machins, mais cool. Ouais, à cause de. En rappelant Jimmy, je me suis pris un but. Oh. Punaise. Pauvre Jimmy. Je suis en semi rien et toi tu le. Ah salut Jimmy, t'es là? Salut. Ouais, ça va? Ouais. Ça va et toi? Ouais, ça va. Salut Jimmy. Salut. Eh, votre défenseur là, Lombert, il est fort. Hein. Ça va, hein, il se défend. Merci. Mon défenseur. Ouais, c'est ton défenseur. Je suis seul. A eu à peu près de la chance, ça va. Ouais, moi ça a va. Eu un gros. Mais c'est chiant. Moi j'ai eu Royce, moi Jimmy. J'ai eu Royce, Sirégou. J'ai eu du monde. Hein. Ouais, moi, j'ai eu Robben. J'ai eu El Shaarawy, Robben. Ouais, ça moi va. J'ai eu Ramos. C'est tout. Miralas aussi. Et quand même, Bernard, il c'est une tuerie. Oh là là. Au début, je croyais que c'était un français, mais en fait, c'est un brésilien. Ça qui est au jeu technique. De qui? Bernard, oui. Ah oui, Bernard, bah, oui. Le, bah, moi, regardez mon lien que j'ai envoyé. Du chacun. Ouais, attends, je suis allé voir, mais c'est bizarre ce truc. Attends, je suis. Nico, t'as bientôt fini ton match ou pas? Ah, bah, je l'ai fini, en plus, j'ai commencé. Hein. GG, tu penses que la France va aller jusqu'où en Coupe du Monde? Finale. Bon, voilà. Exactement. Tu veux l'espoir? Parce que Père n'est pas français. Ah non, mais cette année, cette fois-ci, j'y crois. Avant, j'y croyais plus, mais là, cette année, j'y crois. Impossible n'est pas français. Voilà. Là, vu les matchs qu'on fait, là, c'est impossible. C'est impossible. Qu'on sorte pas des poules, c'est impossible. Bon, bah voilà, j'ai gagné le premier match. Je pense que je suis seul. 2-0 contre les Pays-Bas, 6-0 contre l'Australie. Tranquille. Alors on va voir ce qui va nous arriver juste après ce match. Bon, Olic, alors j'aime bien, j'ai marqué à la 14e, mais après j'ai tout tenté et j'ai pu marquer du tout. Pour vous les Belges, il y aura un match intéressant contre la Suède là. Suède. Ouais, c'est la Suède en amical. Ah, en amical. Ah ouais. Vous victoire pour le premier match de la phase de groupe Impact. Bien. 500 crédits. Bah Nico, je recommence un match et puis tu me passeras l'argent après. Ok. Enfin, les bah t'as un joueur chaque match. Ouais, c'est ça. Mais il me faudra MC et puis c'est bon, j'ai. Non, mais moi il me faut tout ça. Ouais, alors le pack, on va ouvrir le pack. Il me faut un BU européen parce que Gignac. Gignac, excuse-moi, voilà. Mais bon, c'est pas trop ça. Alors on va voir. Mezza. Oh putain, j'ai eu un défenseur droit mexicain. Putain, mais j'en veux pas de ta merde là. Ah bah c'est bien. Bon allez, j'ai pas eu un colombien. Bon. J'ai pas eu de ça ou. Ouais, c'est bien, ils ont remis Miniki avant il était utilisé par PSG. Allez, on fait un autre match les gars, on y retourne. T'as vu mon lien Ouais, j'ai vu, c'est what the fuck, attends. Alors, comment mon équipe? Ah non, c'est ton équipe. J'ai cru que c'était ta frappicité ou que t'avais. Alors, t'as qui? Falcao, Bernard. Ah, cette fois-ci, j'affronte un Italien. Quadrado, Ramiro Rodriguez. France. Milieu, l'attaque est bien, mais surtout la défense. France Italie. Ah ouais, la défense, elle est un petit peu. Simo Gianni Club. Oula. Et il a. Oula putain, lui, il a déjà une complète, lui.
Putain, il a... Non, il a CR7. Oh, je suis mal, les gars. Il a CR7. Attends. Il... C'est quoi ce bazar? Non. Je suis mal. Si vous, si vous êtes... Sur live, tu verras. Je suis mal. Vous êtes... Oh, je vais me faire... Si vous êtes tous les entraîneurs ou pas? Moi, j'ai Louis Van Gaal. J'ai Louis Van Gaal. Moi, j'ai tous les entraîneurs. Putain, KSI, il commence, KSI, allez, ça commence bien. Deschamps, celui d'Espagne et celui de Belgique. Oh là là. Et celui de Brésil aussi. Il a CR7, je vais me faire tes. Mais le mec, c'est un combattant fut, qu'est-ce que tu veux? Comme... Ouais, mais comment le mec, il a paqué à mort, il a paqué à mort, j'en suis bah, sûr. Bah, il était aussi, c'est un combattant fut. Bah ouais, mais le mec, il a paqué à mort, j'en suis sûr, il a déjà paqué avant. Lol. CR7, Reina, Xabi Alonso. Je vais me faire déchirer. Oh, il a Carole en plus. Il a Carole, il frappe fort, Andy Carole. Quoi? Welcott, Papadopoulos. Putain, Kovac. Le mec, j'ai affronté mon premier match de Coupe du Monde. De 8ème de finale. Je joue en solo pour l'instant pour m'habituer avec mon. Heureusement que si Régou, il est là. Secours. Ouf, ça va. Putain, tout ce que je vais faire du match, c'est subir. Allez, on va jouer en contre-attaque, hein, les copains, c'est tout ce qu'on peut faire. Enfin, bon, parce que mademoiselle a CR7. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Putain. Huitième de finale. Allez. Non mais t'es sérieux, deuxième match, bim. CR7. Vous avez tous pris au moins dans votre pays ou quoi? Neymar, punaise. Ouais. Il a 87 ans. Ouais, vous moi avez j'ai pris votre pays ou moi? Moi j'ai pris la France, ouais. Bah j'ai pris le Brésil. Ah, le Brésil. Ah, original. Allez, Fanny. C'est bien, j'ai eu la tenue domicile de l'Italie. Ah, mais il a CR7 en fait. Oh, ouais. attends. Et en solo, quand tu marques, quand il y a une autre équipe, par exemple, là, moi, il y a les États-Unis et l'Allemagne qui jouent ensemble. Quand l'Allemagne, ils ont mis un but, et ben j'ai vu que l'Allemagne, ils avaient mis un but et c'était marqué. Ouais, c'est marqué. Ouais. Bah, tu es seul qui a une belle musique nationale pour la Coupe du Monde. Bah, non, moi, j'ai pas le droit de la mettre, moi. Vous avez quoi? Oh, là, un copyright sur YouTube, vous pouvez pas dire, mais. Ah, bah, vous pouvez pas mettre. Mais vous savez quoi? Car moi je sais pas en fait. Moi c'est la Marseillaise normalement. Du Brésil. C'est la Marseillaise pour la France. Tu peux pas la chanter, je sais pas, je fais pas du tout. Ah non. Même chanter, vous ne pouvez pas. Mais si. Ah si, j'ai dit, on sait la chanter, mais on va pas la chanter en live, tu vois. Ah. Bah là déjà, je dois légèrement me concentrer. Moi j'ai CR7. Moi j'affronte CR7, donc faut m'oublier là. La Marseillaise, ça appartient à aucun droit d'auteur. L'État. Enfin, ils ont le droit de faire chier. Et là, je peux plus répondre. Là, je. Allez, tête. Je suis plus moi, là. Je mis un globe. Non. Pour me corbaler, c'est je joue un plus. Voilà, je me déconcentre. Et voilà, c'était obligé. C'était obligé. CR7, voilà. Comme ce que tu veux faire, voilà, ça dégoûte direct. T'as pas d'équipe, le mec, il te fout des gens comme ça, quoi. Ah, là, ça se voit qu'il y a pas de. Il y a aucun filtre, ils te foutent le premier venu et voilà. Ah ouais, ah, ça. Y'a que moi qui ai une équipe collective ou pas? Oui, bah oui, moi aussi. Moi. 54 en collectif. Moi je dois avoir peut-être. Moi je dois avoir peut-être 60. Moi j'ai 71. C'est déjà pas mal, 60. Moi, Et par contre, pas que le démarrage, j'ai que des joueurs de l'Algérie et Honduras. Je sais pas où. Bah, sur mes 9 comptes, j'ai eu ça aussi. Compte. Non, j'ai Ronaldinho aussi, mais. Ce sont des questions là, MOC. T'avais qu'à story, tu trouves. C'est con en fait, t'as des joueurs bronze transformés en fait dans ces. Dans... Ils sont tous de la même catégorie. Oh. J'ai quelqu'un qui a 47 de général dans mon équipe. Ouais, ils sont tous de la même catégorie. Là, il y a plus d'or, bronze, argent. Ils sont tous de. Oui, mais en fait, ils ont pris toute la liste de tous les oui, joueurs. Ils ont pris toute la base de données normale. Ouais, c'est de la merde. Et que des nations qui se sont qualifiées pour la. Oui, voilà, toute la base de données. Même yeah. Mais ils ont rajouté quelques joueurs quand même niqués. Il avait disparu. Benteke, il est pas en sélection nationale, mais il joue. Il est dans FUT. Oui, mais il est belge. Diaby non plus. Hein. Ouais, il est belge. Ah, ils ont même pris ceux qui sont pas oui. Ceux qui sont pas mis en sélection nationale. Bah, Rod Fanny, oh, il est pas pris. Ils ont pris tout, bah Gignac il est pas avec la sélection française. En fait. Ah putain. Non, mais il est pas avec nous. J'aimerais qu'un du monde là, vous êtes chez nous. On la gagnera pas, c'est sûr, avec Gignac là. Ouais, mais là on la gagnera avec Giroud et Benzema. On est obligé. Une finale
Belgique-France ou France-Brésil. Comme en 98, la belle, la grande finale. Vous y croyez, France ? Mais oui, même les Brésiliens, ils y croient tous. Ils sont tous derrière la France pour qu'on soit Brésil-France en finale. Encore ? Le pays entier, ils le veulent. Ils veulent leur revanche, ils veulent la revanche totale. Ouais, Belgique, dit maximum quart de finale. Ah, ça sera déjà pas mal ? Bah ouais. Ah, c'est depuis 2002 qu'on est plus qualifié, tu vois. Ma pote, nous, si on rencontre l'Argentine, on est mort. Eh non, t'inquiète. Nous, c'est où l'Allemagne, nous. C'est tu vois. Ouais, moi, je pense que c'est l'Allemagne qui va gagner. Et les arbitres, ils sont très, très justes, là. Ils sont pas comme sur le mode normal, là. Rodriguez. Ah, pour l'instant, les arbitres n'ont pas fait de hors-jeu de... Comment dire ? Bizarre. Ça vaut vu clair, mais... Non, moi ça va, là l'arbitre il arbitre bien là. Ça s'appelle de l'arbitrage. Et par contre, il y a un petit pénalty non ? Non. Moi j'ai eu un pénalty, j'ai toujours rien. Première bévue de l'arbitre. Il est pitié toujours en face de poule ? Oui. Bah oui, deuxième match. Surtout, surtout deuxième match, j'affronte déjà CR7 quoi. Ils auraient pu attendre les 8e, je sais pas. Moi, deuxième match, j'affronte l'équipe avec Lam, Robben. Vraiment, mais c'est l'européen, mais en fait, Ramos. Non, vu que c'est que du continent, tu peux te faire une belle équipe, continent Europe, faire de belles équipes, mais il faut les joueurs. Voilà, 2-0, je vais me faire tuer. Le mec, il a une équipe de fou, quoi. Moi, je me suis fait éliminer 3ème de mon groupe, s'il te plaît. Moi, je suis en 8ème de finale. Juste parce que j'ai eu deux matchs où j'ai eu la connexion internet qui buguait et qui m'a enlevé. Putain, il a un bon mignolet en face, le cochon. Il a une équipe de merde. Mais moi, j'ai un bon team de Jae, ou je sais pas comment il s'appelle, parce que c'est un nom à rallonge, comme tous les Coréens. Et tout. Moi, je vais pas faire mon chanceux, mais je suis pour fun. Vraiment, je suis rien lutte. Moi, j'ai juste un petit Coréen qui me casse les couilles. Qui se prend des buts de merde. En fait. Et si on pouvait changer les joueurs, je vous donnerais Adler, comme ça. Ah bah, moi, je veux bien, mais j'ai Ben Teke. Moi, je vous donnerais mon gardien coréen, là. J'ai même le gardien russe, moi. 85 de plongeon, 86 de réflexe. Gardien russe, 83 de général. Ah ouais, c'est ça, je t'en prie. C'est vrai, j'ai 4 bons gardiens européens. Ouais, mais moi, je peux rien faire, là. Le mec, il... Ouais, je sais. Quand tu te dis, c'est bien que tu te concentres. Bah, quand tu regardes, là, il y a Fatma qui fait un pack opening de 1 million de crédits sur World Cup. Ouais, voilà. Oh non, c'est quoi ce but de chance ? Les pitié meilleur. Voilà quoi, c'est n'importe quoi. Les mecs, ils foutent déjà 1 million de crédits dans le truc. Quelle utilité ? Oh, Jimmy. Bah, non, mais c'est surtout sur World Cup quoi. Je trouve que ça sert à pas. Ouais, voilà, c'est débile quoi. C'est un mode pour s'amuser, se détendre. Ouais. Parce que moi, je vais juste mettre genre un pack de 5000 crédits. Moi, j'ai rien pu mettre, j'ai commencé que 2000 crédits, moi. Alors, je te dirais. Ouais, pareil. Ouais, mais on gagne 500 par match, moi, je gagne 500 chaque fois. Et... Ouais, pareil, j'ai 513 tout à l'heure. Mais c'est quoi ? Juste un truc, même si quand on perd, on a que dalle, quoi. C'est la défaite jusqu'au bout, quoi. C'est même pas un petit joueur pour la consolation. Si. Ah, si. Ah, normalement. Si tu fais un match, t'as un joueur. Ah, c'est oh, comme bah, ça, tu perds, tu gagnes, c'est fair play. Ah, bah ça va, t'as un lot de consolation, c'est bien ça. C'est gentil. Ah, ça. Tu peux même quitter, tu peux avoir 10, 20, 0, pas grave, t'as un joueur quand même. Oh, sérieux, moi j'ai. Alors ça veut dire qu'il m'en manque 3 de joueurs là. Et bon, on sait pas si c'est un joueur d'Honduras ou d'Espagne. Toi ouais. Oh bah déjà si c'est un joueur européen au moins ça mettra un peu plus de collectif. Ouais, mais c'est bizarre parce que moi j'ai eu un bug de connexion et j'ai pas eu. Ouais, mais ça, les bugs de connexion, ça faut. Quand Nicolas il dit quitter le match, c'est quitter le match, c'est genre tu rage quitte. Bah là, je viens de faire un match semi-pro. Même en semi-pro, vous pouvez gagner des joueurs, les gens. Bah, alors, attendez, c'est qu'en bugant alors. Quand vous. Allez, c'est que quand tu quand tu fais un match complet, donc de première minute à ah ouais, d'accord. Ouais, la France a gagné contre l'Honduras. Ouais, je suis en train de prendre 3-0 moi contre l'Italie. Et puis si l'autre il bug ou il rage quitte, toi t'as un pack. Mais si toi qui rage quitte, t'as pas de pack. D'accord. Kabich. Bah il faut essayer d'avoir une bonne co quoi. Oui,
Ah bah s'il y a qui te fait déconnecter, là tu peux rager. Moi je fais des matchs en semi-pro, ça marche très bien, vous gagnez aussi des joueurs. Donc je vais faire ça, comme ça je vais vous ramasser à chaque fois un joueur gratuit. J'ai fait aucun match en solo, je sais pas si petit contre offert. Moi je fais pas des matchs en ligne. Non, moi je fais que en ligne. Ouais. Moi je fais en solo pour gagner des joueurs. Donc. Moi en solo, en semi-pro, parce que j'arrive plus à jouer en ce moment du coup. Moi j'ai oublié que de finir. 3-0 donc. Je pèse. J'ai gagné que 3-0 en match en semi-pro. J'ai même plus à jouer. Le mec, c'est pour vous dire tellement que le mec il est sûr de gagner, je suis sûr il joue en ultra offensif le mec. Et regardez mon équipe pétée tellement que je peux rien faire avec. C'est drôle. J'ai que Bender qui est bon et Ramos. J'ai une mise. J'ai donné chez Inyaka quelqu'un. Tu veux pas? Il est nul à chier. Bah moi j'en veux pas, j'ai deux Jung. Ça va aller. Là j'ai mis une garde plus 15 en tir, donc il y en a 3 en tir. Il est toujours aussi nul. Faut dire Benzema. Olich, non, le centre, le... Ah oh, non, il est hors jeu, d'accord. Bon, si tu veux. Je m'en fous, allez. Enchaîne le match. C'est vrai qu'on peut pas inviter... Hein? C'est vrai qu'on peut pas inviter quelqu'un en une team, jouer contre un ami. Je sais pas, moi. Ils auraient dû penser, car on peut faire que compétition, en fait. Et pack. Les matchs amicaux, il aurait dû y penser parce que. Bah, est-ce que t'as un match exhibition, ça c'est bien ça. C'est gratuit. Oh là là. Vas-y, les petits, t'as vu? Oui, les matchs. Bah ouais, j'en ai fait un tout à l'heure parce que comme mode fuite était pas joignable, donc. Si t'as des amis qui viennent chez toi, tu joues comme ça, c'est vraiment bien. Non, sinon la TH elle est bien, c'est sympa, ça fait un petit peu de fraîcheur, ça change de l'habitude. Mais la TH. Merci. Oui, la TH, les joueurs. Traduire. Comment dire, le nom, le score, comment il est affiché, l'affichage quoi. Ouais. Non, ok. Ça me fait penser au jeu Coupe du Monde en fait. Bah oui. C'est la Coupe du Monde. Bah oui, c'est pour ceux qui n'ont pas acheté le jeu, ils ont le mode avec le truc fut, ils ont un match simple et fut. Et sur PS4, vu qu'il n'y a pas sur PS3 Coupe du Monde, ils ont le match mode d'exhibition. C'est toujours 7 plus. Hein. Et en fait, je crois que pour ceux de la PS3 et Xbox, je crois que sur leur FIFA, ils l'ont eu aussi. Et je crois que sur le jeu de la Coupe du Monde, je suis pas sûr, je crois aussi. Mais je suis pas sûr. De quoi? Le mode fut. Sur la PS3, oui. C'est pas pareil. En fait, faut aller dans Ultimate Team pour aller direct sur Ultimate Team, machin. Ouais. Et je crois ils l'ont pas eu sur leur jeu Coupe du Monde, je crois, non? Non. C'est con ça, non? Ouais, parce que un mode Ultimate Team sur la Coupe du Monde, ce serait pas mal. Parce que... Bah, ouais, c'est... Ouais, ça aurait... pour les hautes gènes, oui, ça aurait été plus intéressant, oui. Parce qu'il y a que 3 modes hein, pour le jeu. Moi, d'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne sur le jeu. Ouais. Le gardien de la Colombie, enfin, il est plutôt pas mal. Qui? Le gardien de la Colombie, Vargas. Ouais, je l'ai aussi. Normalement, c'est Ospina, Vargas, ouais. C'est le remplaçant, c'est la bite. Le remplaçant est plutôt pas mal. Vargas, le remplaçant, tu vois, je savais pas. Perso, je suis satisfait. Bidi, toi, ton meilleur choix, c'est vrai. Bah, je crois qu'il est moi, le seul remplaçant d'Ospina que je connais, c'est Mandragon, 41 ans. Donc après. Je sais pas, je crois que Vargas, il est quand même pour la Coupe du Monde, mais je suis pas sûr. Bah, je sais pas, moi, je connais pas la liste de la Colombie, à part Rames et Falcao, donc, et Ospina, donc après. Moi, il y a Muriel Ibarbo. Rodriguez. Et Jackson Martinez aussi, normalement. Et Cuadrado. Ouais. Oh merde, regarde, j'ai oublié de mettre son équipe. Oh le con. Ah si. Il y a Moreno qui est bon en Colombie. Par contre, avec les pays sélectionnés, je tombe que sur des joueurs de l'Iran ou de Honduras. Ou d'Algérie. Je vais voir, pendant dans pas longtemps, on va tomber contre des... Ah putain, si je tombe sur Rooney, je jouis. Je peux même pas, genre, marquer, genre, juste le petit but pour l'honneur, quoi. En plus, le mec, il a mis ses 3-0 et depuis tout à l'heure, il branle plus rien, quoi. C'est genre. Mais j'ai pas vu ton début de live, Royce. T'as ouvert pendant le live ou. Non, j'ai ouvert avant. Oh. Et ta réaction, c'était quoi? C'était. Ah oh, oui, cool. Bah, je regarde les joueurs et puis je regarde mon milieu gauche. Oh, tiens, super, Royce. Bon, au moins, j'ai déjà une bonne base de départ. Je regarde Sirgou. Oh, bah, je regarde mon gardien. Je fais. Oh, Sirgou. Oh, bah, tiens, pourquoi pas aller.
C'est mieux à ta Royce. Ah, même pas, il m'aime même pas le but pour l'honneur, mec. C'est mieux d'avoir le Royce dans le mode normal, on va dire. On est plus joué. Car j'étais pas allé aussi. Moi j'étais pas aussi content d'avoir Falcao dans Coupe du Monde que dans Fut normal. Guarine j'étais... S'il vous plaît, j'étais... Ah, c'est... J'ai fait assez ah, cool, mais à peine j'ai des Luis dans Fut normal, je suis encore plus content. Bah si déjà on me donnait une Messi, ne serait-ce que dans ce mode-là, je serais tellement content, je l'aurais enfin testé. Et moi j'adore, c'est l'ambiance de la Coupe du Monde. Mais moi je suis à fond pour la Belgique, pas Coupe du Monde. Moi à fond pour l'équipe de France. Bah moi c'est le truc c'est que généralement dans les compétitions internationales quand la France n'y est plus je suis pour tout le monde. Non moi je choisis quand même une équipe. À l'Euro la fin l'Euro on avait perdu on avait en groupe la Roumanie Pays-Bas je sais plus laquelle c'était. Ouais, c'était pour l'Allemagne. Après ça dépend en fait. Là par exemple je sais pas si la France perd ça dépend. C'est France perche pour le gagnant. Ah putain, 4-0. Brésil, j'aime bien, mais. L'humiliation totale. En plus, de toute façon, il est 10h, donc là, c'est le dernier match. En plus, on va finir sur une belle défaite. Une équipe qui a le mérite de gagner la Coupe du Monde. Bah, la France. Bah, enfin, vu la physionomie qui font un bon retour, je dirais la France, Le Brésil, là, ce qu'ils font leur population, c'est mal de les déstabiliser. Ils devraient, même s'ils sont pas contents de la Coupe du Monde et tout ça, c'est mal d'aller manifester devant le bus parce qu'ils ont même, je crois, caillassé le bus et tout de leurs propres joueurs, hein, de leurs propres joueurs. Donc là, ça va déstabiliser les Brésiliens. C'est d'un côté pour eux, c'est bien, mais enfin pour nous, c'est bien, mais pour eux, c'est pas cool. Et d'ailleurs, il y a déjà des équipes qui sont arrivées. Le Brésil, de toute façon, le Brésil, ils ont pas eu grand chose à faire. Il y avait déjà la moitié des joueurs qui jouent au Brésil qui y étaient déjà. Il y a Piqué déjà arrivé, j'ai vu ça journal. Il y a l'Équateur, je ne sais pas. Ouais, voilà, l'Équateur, l'Argentine, eux, ils arrivent à l'avance. Eux ils arrivent avant, ils sont juste à côté. Ils sont juste à côté, ils n'ont qu'à faire 2-3 heures d'avion et oui. Nous il y aura le décalage horaire, les pauvres joueurs. Bon allez on va aller ouvrir le pack et puis on va s'arrêter là les copains. Ouais il va nous en. Tous les pays d'Europe ils ont un décalage horaire. Hein. Horaire. Allemagne, Belgique. Ouais ils vont avoir un très très gros voyage à faire, ça va être long. Ça va être difficile. Mmh. Ouais. Plus le climat au Brésil. Bah encore nous les Français ça va, on est habitués à la chaleur, ça va. À la chaleur où les Français? Allez, ouais. Bon, mais, allez, le pack. Allez, je regarde pas, je sais pas ce que j'ai eu. Il fait que le pouvoir. Le pack d'un joueur. Torres. Torres? Colombie. Ah. J'avais moi, Torres. Colombie, ah. Regardez-moi ça quoi, 73 de vitesse, 65 de tir, 72 de passe, 76 de dribble. La chiasse, c'est quoi ce truc? Ce mec il marque à 89ème, je suis dégoûté, en 8ème de finale. C'est ça s'appelle le pack du con ça. Ça c'est le pack du con ça. Allez oui, pst, dégage. Bien joué. N'importe quoi. Bon bah voilà. Bah j'espère que ce live vous aura plu les amis. Et puis bah on se retrouve pour de prochaines aventures. Merci à Vico. Rien. Jean-Siloane. De rien. Nicolas et Jimmy. De rien. Et puis bah plus tard. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir commenté. Et puis bah la rediff arrivera un peu plus tard. Et puis voilà. Allez bonne soirée les gens. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Hein. Bonne soirée les gens. Et puis bah à plus tard. Ciao. Allez, tout le monde.